just a ghost inside my head. From far away they came to us with knowledge. They changed our world and left us without warning. They will return the day.
Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette soirée de la LCE. Il est mercredi, nous sommes mercredi, et on est revenu pour du Overwatch. On vous a annoncé la semaine dernière que Soussou ne serait pas présent ce soir, malheureusement, mais je ne suis pas seul, j'ai avec moi la très rayonnante Opi. Comment vas-tu, ma chère? Salut, ça va super bien, toi? Ah, ça va merveilleusement bien. On a du beau jeu ce soir et on va commencer... D'ailleurs, tous les matchs de ce soir vont commencer sur la map de Paris. Elle a été rajoutée à la rotation compétitive et donc les arbitres ont décidé que cette semaine, ça allait se jouer sur Paris absolument. Mais on a une très grosse nouvelle également. Le fameux Baptiste va être disponible cette semaine également. Donc... Changement dans la méta assuré. Ouais, probablement qu'on va, c'est à voir. Je sais pas si on va laisser un peu de côté les GOATs, la fameuse méta GOATs pour voir un peu plus de Baptiste dans les équipes. Donc c'est à voir ce soir. On va peut-être avoir des surprises. Oui, j'ai très très hâte de voir comment les équipes vont jouer autour de Baptiste, savoir si on va le pick-up ou pas. On va pouvoir le savoir dans très bientôt puisque le premier match va commencer déjà. On rappelle, on a donc les Gaillards qui vont affronter les Capitaines. Donc le Cégep de Jonquière contre le Cégep de Matane sur Paris. Ici, première carte. Et on va avoir du côté des Bleus, Tony Toon, Kid Flash, Dark Fougère, Windstroll, Mooncake, Alia. Alors que du côté des Rouges, on a Lil Ghost, Salty Spaghetti, Nico, Jimin, Killarious et Dan Warrior. Donc, est-ce que t'as un petit insight sur Paris? Personnellement, c'est une carte que j'ai vue très rarement. Nouvelle carte qui a été intégrée très récemment. Je sais pas, ça va être quoi les... Ben, on va le voir maintenant. À l'instant, ils sont déjà en train de prendre les pics un petit peu. Mais c'est une carte qui est deux points très différents. Donc, les compositions souvent vont se jouer différemment. Souvent, on va holder sur le premier high ground là, direct en haut, puis l'attaque va essayer de passer par le down, un peu en dessous des escaliers si on veut pour se faufiler sur le point. On va sortir un bastion puis un Torbjörn côté de l'équipe des Bleus, donc pour bien défendre. Un gros cheese de la part de la défense à voir. Comment que ça va aller? Et on y va avec... On a le Baptiste du côté de Tony Toon pour l'instant, du côté des Gaillards. Et tu mentionnais, donc, normalement, on s'attendait à avoir une défense sur le premier high ground, alors que actuellement, on est vraiment très, très loin derrière. Et on va avoir l'attaque qui va commencer ici. On y va avec un Reaper du côté des Capitaines. Est-ce qu'on va réussir à percer la défensive de Baptiste? C'est là qu'on va voir...
Et c'est parti, on va lancer le engagement. C'est lancé. Oh. La belle charge directement sur Dark Fougère. On va récupérer les Old Ghosts, le beau boob de Killarius ici. On va aller chercher Tony Two directement. Windfall sur Dan Warrior. Et on va justement, Windfall va être éliminé. On a, on a justement le Torbjorn qui a été éliminé tout de même. Ça a été une très... Ça a été une très belle exécution de l'équipe de l'attaque, en fait, parce que on a pris le temps d'analyser, dans le fond, la composition de l'autre côté. Le Reynard a pin directement le Bastion, puis on a éliminé le Bastion. À noter qu'il n'y avait même pas de Mercy de l'autre côté pour le reste, donc first pick très bien pris, puis on a emporté le point comme ça haut la main. Et on y va avec une défense presque identique. On a retiré le Bastion pour l'instant, par contre. Et on va aller chercher un premier kill directement sur Nico, Dark Fougère avec le headshot bien placé de la part du Soldier. Et on cherche une ouverture ici du côté des capitaines. On semble être très bien positionné. Jamin ici, dans le backline, va aller chercher le Torbjorn encore une fois. Encore très, très, très agressif, Jamin, avec son Reaper. Va être éliminé ici par Tony Toon. Bien joué de la part du support. On se rappelle ici qu'on a déjà deux personnes dedans du côté de l'attaque. Donc maintenant trois, je crois qu'on va reculer puis on va probablement reprendre pour une autre attaque. On a perdu le mec de Salty Spaghetti entre-temps. Et voilà, le Amplification Matrix qui vient d'être déposé de la part de Baptiste. Peut-être un overcommitment de la part de la défense, puisque tu mentionnais, on avait plusieurs joueurs délinés déjà du côté de l'attaque. Mais premier Amplification Matrix de la LCE. c'est quand même un état positif au niveau de la défense. Donc, défense complètement réussie de la part des capitaines. Mm-hmm. Des gaillards, pardon. Défense de la part des gaillards. Ça avait bien commencé, en fait, du côté de l'attaque. On holdait un petit peu. Finalement, ils ont décidé d'y aller, même avec le retrait de Anna. Il aurait peut-être fallu, de leur côté, attendre, regroup. Voilà. Et là, on va passer vraiment par le côté, du côté de l'attaque. On a un beau flank organisé de la part des capitaines. On cherche encore une ouverture, on a de la difficulté à percer la défense formée ici. Le Molten Core qui est placé par Windstroll, on va aller chercher double kill directement. Windstroll qui va tomber par le fait même, mais on est très bien placé quand même. Très belle défense déjà, Windstroll qui, on pourrait dire, a gagné la défense à lui-même. Mais Jamin qui continue, va aller chercher la turret. On a un Diva Bomb ici qui s'en vient sur le point. Rien pour l'instant, mais on a quand même zoné d'une belle façon. Dark Fougère ici, très belle position avec son soldat. Et on va perdre ici. Danware et Jamin vont être éliminés. Dark Fougère très 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 bien positionné. Fait bien le runaround de Rosie avec son soldier. On a 5 ults disponibles du côté de l'attaque. Donc à voir, je pense qu'un bon combo sur le nano Reaper, ça pourrait être une bonne exécution. Sachant que l'autre côté, on a juste 2 ults disponibles. Aucun defensive ult. On a le ult Baptiste par contre qui arrive. Donc, à voir, je pense que ça serait peut-être le temps de regrouper côté de l'attaque et de commencer peut-être à utiliser des ults pour sécuriser le point. Et c'est là qu'on va voir vraiment l'utilité. Tu mentionnais qu'on n'a pas beaucoup de ults défensifs du côté, du côté de la défense. Par contre, on a le Immortality Field de Baptiste qui pourrait tout simplement canceller l'utilisation du... ça pourrait être un Nano Death Blossom à ce moment-ci. Mais justement... Exactement. Oh, le gros Shatter ici de la part de Lil Ghost. On va aller chercher 3 kills d'un seul coup. C'est bien, bien parti pour l'attaque. Baptiste ici va être éliminé. Tony Toon qui va tomber. Killarius en pleine poursuite d'Alia. On va compléter l'élimination. On va se retrouver dans le fond. Je pense qu'on va caper le point aussi ici facilement. Tactical Visor de Dark Fougère. On a une belle défensive par contre. Et la capture est réalisée. Très beau travail de l'attaque. Ça a été pas facile, mais finalement on a trouvé l'ouverture. Oui, avec le Earth Shatter très bien exécuté de la gauche, avec le, je crois que c'était avec le Speed Boost de Lucio. On a passé la barrière à Orisa et on a pu faire un 4-man Shatter, je pense. Donc et voilà, ça a pu sécuriser le point et ils ont maintenant 3 minutes et demie restant au compte à rebours, ce qui est extrêmement bon en attaque. Donc, on va être capable de faire mieux de l'autre côté. Jusqu'à maintenant, l'attaque a été, ou du moins, le premier point, je crois, ça a été très difficile au niveau de la défense. En même temps, ça a été une très belle offensive de la part des capitaines, tu l'avais mentionné plus tôt. Donc, on a pris le temps d'analyser comment était placée la défense avant de lancer l'attaque. On va voir comment la défensive, justement, les capitaines vont réussir à
créer une défensive qui va être plus efficace. Du moins, on va essayer. Et on semble aller avec... c'est presque identique à ce que les Gaillards avaient fait comme composition, à la grosse différence que cette fois-ci, on a le Mercy. Donc, dans le oui. cas où... L'exception aussi qu'on a remplacé le Torbjörn par un Reaper. Donc, à voir. Puis, on a aussi le Baptiste qui était à la défense, mais... C'est ça. À voir si le Bastion... L'avantage avec Bastion, c'est important d'avoir une Mercy parce qu'on sait que la composition se joue au complet autour de Bastion. Donc, s'il meurt, le push est un peu perdu. Donc, avec la Mercy qui va pouvoir le res, ça sécure un petit peu plus la défense. Et justement, on va avoir une belle défensive organisée autour de ce Bastion de Dawn Warrior. Justement, avec la Mercy derrière pour le damage boost. On est prêt pour la résurrection et on voit ici, on prend le temps, on utilise le téléport de Symmetra pour passer sous le radar du Bastion. Très 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 bien réalisé de la part des Gaillards. On se retrouve en plein dans la mêlée ici. Dark Fougère avec son Reaper va D-Max Salty Spaghetti. Et voilà les éliminations qui s'accumulent mais d'un côté et de l'autre. Pour l'instant on c'est l'offensive. Presque à café deux ticks ici, on a un tick sécurisé. Est-ce qu'on va réussir à en avoir? Non, je crois qu'on va regrouper peut-être du côté de l'attaque. Jusqu'à maintenant, on a réussi à sortir les gaillards du point. Et pour l'instant, on semble avoir stabilisé la défense. Voilà, c'est réussi, la défense est complétée. On a concédé un tick de capture, mais déjà, c'est beaucoup moins rapide que ce que les capitaines avaient réalisé en première attaque. En fait, c'est un peu... on se rappelle au début de la map, c'est un peu de cette stratégie-là que je parlais. On défend le high ground, on essaie de se faufiler en dessous en l'attaque et on va directement sur le point. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir un pic? Un pic ici sur Kid Flash, déjà c'est très efficace de la part de Jemin. On est dans le backline, on est seul contre 6 et finalement on va être éliminé, mais pas avant d'avoir éliminé justement Kid Flash et Dark Fougère qui vont payer de sa vie également face à Dawn Warrior. Et donc déjà on se retrouve à l'attaque à 5 contre 4, on est en avantage, le beat qui va être cancellé par Dawn Warrior qui va aller chercher Mooncake également, la défensive qui semble être très confortable, on a le Photon Barrier qui est placé par la Symmetra, mais est-ce que ça va être suffisant? En fait ça va être un petit peu gaspillé puisque l'attaque est déjà terminée, déjà cassée. Et donc on va se regrouper du côté de l'attaque. Jemin encore une fois avec son Reaper qui est sur par-dessus Dark Fougère va être éliminé malheureusement. Et on vient peut-être d'ouvrir une porte ici pour l'offensive. Oui, c'est sûr que ça va être un fight qui va être 6v5. Mais on peut remarquer du côté de capitaine qui ont un ult management un peu mieux dans le sens qu'ils combo. Puis on a vu un peu du côté des gaillards qui utilisent leur ult quand ils ont des picks déjà de l'autre côté, donc à voir. Et donc l'offensive qui est maintenant présente sur le point, on commence à capturer, on va aller chercher le deuxième tick et on va maintenant commencer à forcer les déplacements du côté des capitaines, mais on va perdre Kid Flash ici, Killarius, le kill sur Alia également. Je crois que cette offensive va être malheureusement se résulter en échec pour l'instant, mais quand même, on est allé chercher un deuxième tick. Si on recommence une nouvelle fois, on risque d'avoir la capture. Et voilà, Jemin qui est encore présent. Jemin fait énormément de travail, mais il faut pas oublier aussi l'importance du bastion ici. À chaque début de fight, on va chercher un ou deux picks facilement avec le bastion, qui n'hésite pas à changer de place non plus pour avoir un effet de surprise. Donc l'autre équipe ne savent pas nécessairement où est-ce qu'il va être positionné pour le prochain fight, ce qui est à l'avantage de l'équipe des capitaines. J'étais en train de regarder le point de vue du bastion justement au moment où le bouclier de Ressa a été déposé. Et je dois dire c'est le pire bouclier possiblement. Il est tout croche. Mais il fait la job encore. Mais voilà, on est reparti. Gros Shadow ici. Catman d'un seul coup. Mais voilà, Death Blossom de la part. En fait, de la part des deux Reapers en même temps. Jemin qui va aller chercher un kill. Dark Fougère également. Mais ça semble être à l'honneur de l'attaque pour l'instant. Salty Spaghetti, le dernier de son équipe, va être rejoint par Jemin justement. On va être pin ici. Beau kill de la part de Kid Flash. Et l'overtime va commencer. Mais on va réussir à capturer ce point. On va donc récupérer 4 minutes pour aller chercher cette deuxième capture. Ça a noté ici qu'on va avoir le Graviton qui va être disponible pour le prochain fight avec le Barrage de Pharah. Donc probablement qu'on va voir un combo ici. Est-ce qu'on va être capable de sécuriser le point avec ce combo-là? C'est à voir. Si on est capable, on risque d'être environ dans les mêmes temps.
Donc, on va voir comment ça va se réaliser. Mais encore une fois, on rappelle le Immortality Field de Baptiste qui pourrait changer la donne. Donc, on attend tout simplement que le combo se développe et on balance le Immortality Field. On cancelle le tout. C'est ce qu'on va voir. Si, mais si, la ça matrix, va être suffisant. Si c'est Diva qui peut, si c'est bien joué, peut manger le graviton. Et on va perdre Alia ici. Donc, on commence le fight à 6 contre 5. Jamin, très bas en vie, va être utilisé. Va être forcé d'utiliser son Raid Fort, mais pas suffisant. Kid Flash qui va aller chercher l'élimination. On est maintenant à 5 contre 5. La défensive qui fait une belle rotation ici face au déplacement des Gaillards. La coalescence qui est utilisée. On force encore une fois le déplacement. On cherche l'ouverture pour le barrage. Voilà, c'est placé! Très beau barrage à la part de Will Troll. On va aller chercher un triple kill d'un seul coup. Jamin encore présent avec son Reaper. Le dernier de son équipe sur le point va être éliminé par Will Troll encore une fois. Et on a toujours le le Graviton disponible si jamais ils reviennent à temps, mais d'après moi, ça va être sécurisé ici. Tout juste, c'est réussi, oui. La capture est complète. Très belle exécution, le Reinhard ici, c'était un peu dangereux, mais il a réussi quand même à engage in avec son pin. On sait qu'un long pin avec Reinhard, quand il y a un bâton de l'autre côté, c'est toujours risqué, mais ça a fonctionné, puis il a réussi à passer la barrière de Orisa pour pouvoir faire un gros shatter et par la suite combo avec Tassara qui a fait un excellent barrage qui a brisé le point. Effectivement, la position de Winstroll était très efficace. On a été patient. Justement, on a attendu le shatter et, pour aller bien se positionner. Très patient de la part de Winstroll et on l'a vu, ça l'a donné la victoire. Pas la victoire, mais du moins la capture du deuxième point. Donc, à saluer la belle patience de la part de Winstroll pour cette séquence-là. C'est pas du tout... ça va être très serré, en fait. On a juste une minute de différence entre les deux équipes. Donc, c'est pas gagné. C'est pas gagné d'avance. À voir s'ils vont être capables d'attaquer un peu mieux que la première fois. On sait qu'ils ont réussi à caper le premier point sur l'overtime. Donc... cette fois-ci, il faudrait faire un petit peu plus rapide. Ouais, les capitaines qui avaient une attaque éclair, alors que on a été un peu plus lent sur la deuxième capture, alors que les Gaillards ont fait relativement l'inverse. Donc, ils ont été plus lents sur le premier point, mais le deuxième qui s'est résulté en une capture assez rapide. Mais donc, on va voir comment on va réaliser ce deuxième point. Encore une fois, Jamin, très, très, très agressif avec son Reaper. On est bien placé derrière l'équipe adverse. Et on va tout simplement collapse sur le backline. Et on fait une belle rotation quand même au niveau de l'attaque. On va trouver Winstroll ici. Jamin qui est très 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 sneaky avec son Reaper. Va aller chercher le kill sur Winstroll. On est dans le backline ici sur Dark Fougère maintenant. Et Alia également qui va tomber. Le triple kill pour Jamin avec son Reaper. On va aller chercher Mooncake tant qu'à faire. Nico qui est allé chercher le kill sur Kid Flash tout de même. Mais le Reaper de Jamin... tellement oui, sneaky derrière les excellent, il a sécurisé 4 kills avec le Reaper. La main, c'est sûr qu'elle bougeait pas, donc ça a été à son avantage, mettons. Mais c'est ça, 4 kills, déjà 2 picks en partant. Je pense que c'était la main et le support, si je me trompe pas. Donc, les deux premiers kills, ça a été sur May et Junkrat, puis suivi Junkrat, excuse-moi. Tout de suite après sur Alia également, donc sur la Moira. Mais ouais, Jamin qui a tout simplement brisé cette attaque-là d'un seul coup. Qui va être repéré par Winstroll ici. Et on va se retrouver, voilà. Oh, le freeze par contre sur Jamin. Très bien joué. Très bien joué de la part de Winstroll. Et là, on est maintenant à 5 contre 6. Et on va pouvoir se diriger vers l'équipe adverse. Le Junkrat qui est très, très agressif dans l'utilisation de ses mines pour le déplacement. On va aller chercher le D-Mech sur Salty Spaghetti. L'Immortality Field qui va être éliminé également. Lil Ghost quand même sur Kid Flash. Mais Winstroll, voilà, qui fait du gros travail avec May. Va aller éliminer Salty Spaghetti. Dan Warrior sur Tony Toon. Et on a un Configuration Tank ici. Double kill d'un seul coup par Dan Warrior. On va aller chercher Winstroll et Dark Fougère. Et on complète, voilà, D-Mech sur Mooncake également. Et on va aller chercher... C'était excellent. Je sais pas si on a remarqué ici... Le ult de Bastion dans le M à Baptiste, en fait, c'est un excellent combo. Déjà que ça fait très mal, le Configuration Tank, donc ouais, facilement fait, à moins que je ne me trompe, est-ce que c'est 200 un directed? Je pense que oui, ça one-shot quelqu'un.
C'est ce que je me rappelais. Mais donc, on va perdre Kid Flash et Jemin, voilà, qui vont être éliminés. Immortality Field qui est placé de la part de Baptiste. Le Diva Bomb qui est lancé. On va aller chercher Tony Toon qui va tomber ici. Windstroll avec le Blizzard. On va aller chercher plusieurs Freeze, notamment sur Lil Ghost pour aller chercher l'élimination. Est-ce qu'on va avoir la capture en overtime encore une fois? Ça a l'air parti pour ça. Pour l'instant, Windstroll qui continue d'être très efficace. Le Diva Bomb qui est placé. Kid Flash va perdre une bonne partie de sa vie, mais en Primal Rage va survivre. Killarious maintenant, avec son Lucio, va être congelé, éliminé également. Jemin qui est de retour. Quad kill avec le Death Blossom. Wow. Et ce sera suffisant pour briser cette attaque. Ça a été un revirement de situation, en fait. On avait le Winston qui essayait de s'occuper du bastion de son côté, qui n'a pas réussi, qui s'est fait tuer, puis Jemin qui revient, qui fait un quadruple kill, ouais, excuse-moi. donc ça a été vraiment, on pensait qu'il allait caper ici, qu'il allait avoir peut-être au moins un tick, mais non, Jemin est arrivé et il a dit, ça ne se passera pas comme ça, moi j'arrive et je pèse sur le cul. Le bon vieux play of the match par Reaper. Des play of the match qu'on voit plus si souvent, d'ailleurs. Je sais pas si tu te rappelles à la sortie de Overwatch à quel point c'était tout le temps des Death Blossom, des 6 kills Death Blossom de Reaper. Il faut se rappeler aussi qu'on avait quand le Nanoboost est arrivé, il boostait la vitesse aussi, donc c'était plus facile. On avait le Reaper Nanoboost et le Speed Boost, il était juste incontrôlable. Donc le Reaper faisait juste le tour de la map au complet pendant son Dead Blossom. Donc c'est sûr que c'était plus facile, c'est un peu plus difficile maintenant parce qu'on sait on a la Flashbang. Il va pas super vite, mais donc c'est très impressionnant comme play ici. Très bien joué de la part de Jemin à la défense, effectivement. On va se réessayer ici avec un bastion encore et un Torbjorn. Cette fois-ci, on va avoir une Mercy, par exemple. Donc, On a appris des erreurs chez les Gaillards. Donc, on a compris que la Mercy était utile pour le Bastion Comp. Mais voilà, on est parti. La turret de Torbjorn qui fait du beau travail en ce moment. Windstroll, voilà, qui va venir sauver sa turret contre toute attente. On va la perdre ici face à Dan Warrior. Windstroll est un peu out of position, par exemple. Ici, il est tout seul dans son coin, donc un petit peu. Kid Flash qui va chercher deux beaux kills ici. Calarius et Nico qui vont tomber. Et on se retrouve maintenant sur le point. La résurrection sur Windstroll, justement, tu mentionnais qu'il était out of position. Et Jemin qui est sur le point justement face à ce Torbjorn va éliminer la turret. On cherche le kill sur Windstroll, va être éliminé ce dernier par le Firestrike. Et ce sera la première map pour les capitaines. Très beau match, je crois, en faveur. On va le redire et redire, là, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un play of the game de Jemin ici. Il a très bien joué. Oui, le gros shatter, je pense, c'est dans le... Ah voilà! Exactement! À l'attaque, en fait, quand il y a pin et qu'il y a shatter à travers la barrière. Très beau play pour Kid Flash. Un play bien mérité. Bon, évidemment, on pourrait noter le quad kill de Jemin, mais on a la... Legendary pour Kid Flash, quand même. Mais oui, le quad kill de Jemin à la fin, comme ça, qui a complètement cancellé le push des Gaillards. Mais voilà, le jeu considère que Kid Flash méritait plus le play of the game, quand même. Mais c'était un beau play, par exemple, de pouvoir rentrer comme ça quand il y a un bastion à l'autre bord. C'est pas toujours facile, comme je disais tantôt. Donc, oui. Sinon, l'exécution, je crois, des capitaines était quand même beaucoup plus en équipe. On jouait ensemble. On avait Jemin qui jouait, lui, par contre, toute seule de son côté, qui allait flanker. Mais pendant ce temps-là, on faisait énormément de damage avec le bastion. Donc, on avait comme deux focus en même temps à regarder le backline sur le Reaper, puis le bastion qui fait énormément de dommages, qu'on sait. Donc, ça a été très difficile de manage entre les deux DPS. Ouais, Jemin qui a vraiment utilisé la carte à son avantage, donc la quantité de petits raccoins
derrière lesquels il pouvait se cacher avec son Reaper. On l'a vu à maintes reprises, donc tout simplement attendre que l'équipe adverse passe devant lui. Et on poursuit par la suite, on va aller chercher le gros flank sur la backline. À plusieurs reprises, Jamin qui a été très 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 efficace avec son Reaper play. Mais donc, on va avoir maintenant le choix de la carte au Gaillard. Donc, on le rappelle qu'on fonctionne en Loser's Pick. Donc, l'équipe qui perd le match choisit la map suivante. Et donc, ce sera sur Népal, Control the Point. Toujours plaisant à regarder les Controls. Moi, c'est mes maps préférées personnellement. Parce que je trouve que c'est vraiment un skill cap entre les deux qui est comme 100% fair, si on veut, parce que les deux équipes attaquent. Donc, c'est là qu'on voit vraiment un peu plus un battle fight, si on veut. Donc, les gros plays normalement de DPS et de team play se voient un peu plus ces maps. C'est dans effectivement ces cartes-là où est-ce qu'on peut briller le plus avec tu mentionnais les gros plays, autant les DPS que team play en général. Mais donc on rappelle qu'on a les gaillards du côté bleu et les capitaines du côté rouge. Et donc, on a Tony Toon, Kid Flash, Dark Fougère, Windstroll, Mooncake et Alia. Et de l'autre côté, on a Lil Ghost, Salty Spaghetti, Nico, Jamin, Killarious et Dan Warrior. Jamin qui, jusqu'à maintenant, a uniquement joué Reaper. A été très, très, très efficace. D'après moi, on va le voir continuer sur cette lancée. Je m'en allais dire justement, dans cette map-là, normalement, on a des mains, c'est une très très bonne map pour mains en début si on va sur le high ground. On va avoir une main du côté de l'équipe de capitaine, donc à voir s'ils vont réussir à avoir des picks avec le wall. Sinon, on va garder un Reaper des deux côtés, puis on va y aller avec une Symmetra du côté de Gaillard comme deuxième DPS. J'ai hâte de voir comment on va utiliser l'efficacité du téléport. On a vu précédemment des big brain plays avec le téléport de Symmetra, notamment sur Eichenwald. Ça a été surprenant. Mais on va voir comment on va fonctionner. La main ne sera probablement pas capable de waller ici dans le high ground. On passe pas par le high ground. On était directement sur le point. Ouais, une belle défense sur le point. Déjà, on a placé les turrets de la part de Symmetra. On commence le barrage, mais à faire attention, on a Jamin sur le backline, directement sur Alia. On va aller chercher le premier kill, voilà, est effectué par Jamin. Jamin qui cherche le backline des yeux. On va trouver Kid Flash pour l'instant. Et voilà, Kid Flash qui va tomber face à Lil Ghost. Lil Ghost et Jamin qui vont aller chercher les 5 kills, ou les 6 kills au total, je crois. Très beau travail entre les deux. Donc Jamin qui split le focus de l'équipe adverse et Lil Ghost qui en profite pour aller balayer du marteau l'équipe devant lui. On a été pick les deux premiers supports en premier. On avait avec le Reaper, on a été prendre la Anna en premier, puis le Zenyatta qui était out of position à droite, qui s'est fait pick, qui n'était pas en mesure d'aider sa team, donc ça a été un peu à leur désavantage. Et on y va avec un petit switch ici. On va aller avec la Pharah chez les Gaillards. Et on va tenter de contrer le Reaper de Jamin, mais voilà qui va se retrouver directement derrière Windstroll, qui va aller chercher le kill justement. Donc première élimination, Jamin encore une fois derrière l'équipe adverse, va réussir à aller chercher plusieurs éliminations. On split le focus de l'équipe. Kid Flash qui va aller chercher cette élimination avec la charge, mais c'est trop peu, trop tard. Tony Toon maintenant en danger avec son Reaper. On va être forcé de se replier, mais on ne réussira même pas. Donc l'élimination qui est complétée. On est maintenant à 50% de capture chez les capitaines. On a quand même perdu le Reaper du côté des Gaillards. Donc à voir, pas le Reaper, excuse-moi, le Reinhardt. À voir s'il va être capable de revenir à temps. On sait que Reinhardt n'est pas très rapide. Et oui, il est là avec son équipe. Le Reaper qui se positionne encore en caché en arrière. Encore une fois, très dangereux le Reaper de Jamin avec son Dead Blossom. On est prêt à l'utiliser. Et on est actuellement sur le high ground. Mais voilà, on a compris, je crois, du côté des Gaillards. On a peut-être porté un petit peu plus attention à la position de Jamin. Et on l'a trouvé, justement. On va le déloger de sa cachette. Pour l'instant, on est en brawl complet. Là, ça se partage de chacun des côtés. On a un three-man shatter de la part de Kid Flash. On a un shatter qui est bloqué. Par contre, beau travail de Kid Flash. Le Blizzard qui est maintenant présent sur le point. On va congeler ici Mooncake et Tony Toon s'il ne réussit pas à sortir.
Ce dernier, justement, on réussit à sortir du blizzard. Le kill sur Nico, tout de même. On est congelé, barrage de la part de Winstrol, mais on va être éliminé par Killarius. Killarius face maintenant à Tony Toon. Tony Toon va être éliminé avec quelques points de vie seulement à faire. On est maintenant en overtime et ce sera complété. On n'a pas réussi ici à charger le Graviton assez rapidement. Sachant, on sait que le Graviton, c'est un des ults le plus forts du jeu. Malheureusement, on n'a pas réussi à l'avoir à temps. Mais tout de même, on a quand même fait une bonne exécution, un bon shatter. Puis ça n'a malheureusement pas fonctionné. Oui, malheureusement, l'utilisation du shatter qui avait été... qui a ouvert une belle porte pour les Gaillards, mais justement, donc on a vu par la suite ce qui s'est déroulé. Selon toi, qu'est-ce que les Gaillards ont besoin? Parce que là, ils font face à la défaite. Si on perd cette map, on va... On a une grosse problématique contre le Reaper. Je crois que... Je sais pas s'ils ont un Mercury Player, mais ça pourrait peut-être être une bonne idée. D'avoir un Reaper, un Mercury sur la backline pour pouvoir essayer de counter le Reaper qui arrête pas de flank sur les sites. Justement, là, cette fois-ci, c'est au tour de Tony Toon d'aller pour le flank. On est sur Dan Warrior en ce moment. Dan Warrior qui va s'en sortir. On est bien supporté par son équipe autour. Et le point va tomber entre les mains des capitaines déjà. Le teamfight qui n'a pas nécessairement commencé, mais les joueurs qui étaient présents sur le point. Voilà, Winstrol qui va aller chercher la première élimination. Guimex, Salty Spaghetti également. Jemine va être éliminé par Tony Toon. Et est-ce que la vapeur a finalement tourné? Rocket Barrage déjà de Winstrol, très rapide, mais va être éliminé par Salty Spaghetti. Mais voilà, on va récupérer le point du côté des Gaillards. On renverse la vapeur, la première capture du match de contrôle. On avait quand même capé le point ici du côté des capitaines, donc on aurait pu staller un petit peu le point et avoir un peu plus de pourcentage avec la main, mais on a décidé au lieu de ça de regrouper pour pusher plus rapidement. On est lancé, Jemine qui score Firestrike en pleine poire, va perdre une bonne partie de sa vie et on a un duel de Reaper sur le sideline pour l'instant. Et Winstrol qui fait un beau travail. Tony Toon qui va tomber face à Killarius par contre. On se retrouve donc à 5 contre 4. 6 contre 4, pardon. Ok, qui va tomber également. Les joueurs des capitaines sont très très bas en vie. Et on est très très bas en vie, mais c'est pas suffisant pour aller chercher les éliminations. Kid Flash qui va tomber. Et on récupère le point chez les capitaines. Et Alia qui va stagger quand même une bonne durée ici. Avec son élimination très très tard dans le team fight. On a utilisé deux ults du côté, donc on a deux ults en moins du côté des Gaillards. On va avoir bientôt les six ults disponibles du côté des capitaines. Donc on a un ult avantage du côté de la défense. Tu mentionnais plutôt, mais les capitaines qui semblent être très 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 efficaces à l'utilisation, ou plutôt à l'économie de leur ultimate. Winstrol qui va se prendre une balle de... une balle de Zenyatta en plein visage. On a un Diva Bomb qui s'en vient. On va aller chercher le kill sur Kid Flash, le Shatter justement qui a ouvert la porte. Tony Toon par contre sur Nico qui va aller chercher l'élimination. Jemine sur Mooncake par contre. Et le teamfight semble être entre les mains des capitaines une nouvelle fois. Dan Warrior qui va aller chercher un double kill ici sur la séquence. Encore une très belle défense des capitaines. Le déblasom était bien exécuté, malheureusement on a juste réussi à avoir un pic. On a été capable de le counter de l'autre côté, mais c'était quand même un bon positioning, un bel essai. Ça aurait pu fonctionner. Jemine qui était très très bas en vie ici va être récupéré par ses supports. Et encore une fois, on a plus d'ultimates disponibles du côté des capitaines que des Gaillards. Et si on trouve Jemine une nouvelle fois, belle présence d'esquive. Dans le freeze. On a 4 personnes freeze en ce moment. On va aller chercher, voilà. Tout ce qu'on avait besoin, le Blizzard de la part de Dan Warrior qui était très efficace. Très bien exécuté du côté de Dan Warrior, en effet. Et donc, la victoire qui va aux mains des capitaines. Match, ronde et tout le kit. On remporte le tout d'un seul coup. Of the game pour Little Ghost avec son Reinhardt. On était cachés ici. Ah, voilà le fils. C'est quand même... Et on complète avec sur le Fire Strike.
Et donc, on a une victoire des capitaines sur les Gaillards de Jonquière. Très belle partie du début à la fin. Quand même serré comme match. Malgré les deux maps, en fait, c'était pas gagné ou la main, comme je disais plus tôt. Ça a été des bons matchs. C'était serré quand même, surtout sur les captures de points. On s'est quand même rendu à deux caps pour ensuite continuer de défendre et d'attaquer. Donc, très belle édition. Est-ce qu'on a une troisième map ou c'est... Non, le match est complété et remporté par les capitaines. Donc, nous, on va prendre une micro-pause et on vous revient. Le prochain match est à 20h. On va avoir Back in Black contre NTT. Donc, n'allez pas nulle part. Restez là. On va prendre justement cette courte pause. On vous revient dans pas long. We'll be right back.
must be you and I. It's got me thinking about us more as these bright lights, they put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage. It's your future vibes. Thank you.
lost to war. Shot me dead. I was lost and said to the voices in my head, I gotta get up again. I gotta get up to another day. I'm not giving up again. I'm gonna get up. I'm gonna get up. Nous sommes de retour après cette courte pause. Je vous rappelle que c'est mercredi et c'est la soirée d'Overwatch pour la LCE. J'ai avec moi Opie. Comment vas-tu ce soir? Ça va super bien. Et toi? Ah, merveilleusement bien. Cette petite pause a fait du bien. J'ai bu bien de l'eau. Ma voix pour le beau jeu qui s'en vient vers nous. Et là, on est rendu au match niveau secondaire. Il est 20h très exactement. Et on va avoir donc le match qui va opposer Back in Black du centre de formation professionnelle Le Riverain contre Entity de la polyvalente de Matane. Donc, on rappelle que Back in Black se sont inclinés la semaine dernière contre leurs rivaux Back in White, donc du même établissement d'enseignement. Donc on va voir, est-ce que le moral de Back in Black est au fond du baril? On va voir comment on va s'en sortir de ce côté-là, alors que du côté de Entity, on a tout à gagner face à nos opposants. On vous rappelle que la semaine prochaine, on va déjà être rendu dans les quarts de finale, si je ne m'abuse, et les demi-finales, alors que la finale aura lieu en live le 27 et le 28 avril. Et on sera justement live au Collège Montmorency à Laval. Donc, soyez à l'affût. Évidemment, on va streamer tout le kit. Et on va avoir des beaux matchs en live. Mais entre-temps, on est sur Ilios. Première carte pour le match qui va se dérouler devant nos yeux. Donc, on a Back in Black du côté bleu et on a Entity du côté rouge. Et là, les joueurs... Je vais commencer du côté bleu, évidemment, avec Matalite, Norax, Nerf Trump, Neo Axel, Destro Dragon et Gaming All. Alors que du côté de Entity, eh bien, là, je mentionne que la majorité des noms commencent par Entity, fait que je vais juste skipper ce bout-là. Donc, on a Doom, Dawn, Saf, Lucent Bark, Frank et Scorpion Kill. On va essayer de pas se compliquer les noms, se compliquer la vie avec les noms. Voilà. Voilà. Donc,
Côté des compositions, on va avoir un Baptiste qui va s'ajouter dans les Back in Black. On va avoir un triple support. Est-ce que ça va rester comme ça? Je crois bien que oui. On va rester avec une Mercy et une Anna de l'autre côté. On va avoir un Cheese Comb de Bashin, Torbjorn et de Smithfall. C'est très intéressant. Tu disais triple support, on est en fait à quad support du côté de Back in Black. Ah oui, j'avais pas vu, on a aussi la pluie, c'est la première fois que je vois ça. J'ai hâte de voir si on va être capable d'aller chercher un seul kill du côté de NTT. Mais voilà, c'est parti les affrontements. Et oh, le bastion qui va tomber face à Gaming All Neo Axel. Voilà les kills tout d'un coup chez Back in Black. Et maintenant Scorpion Kill qui va être éliminé finalement. Et voilà, le teamfight qui se complète. On n'a pas capé par exemple. Effectivement, le point qui... voilà, on a un joueur qui est sur le point en ce moment. probablement Neo Axel. Je dirais non, mais pas. J'ai pas remarqué quel joueur était sur le point. C'est sur Matalite ici. Oh, le boop pour sauver... le Reinhardt de Matalite. Mais je crois que ça répond extrêmement bien au cheese ici parce que en fait on a 4 supports pour healer en masse contre un Bastion, une Symmetra et un Torbjorn, donc je pense qu'on a peut-être un counter très fort parce qu'on va se rappeler Baptiste et Rig font énormément de damage quand même. Donc si ça on... fonctionne pour le moment en tout cas. Ouais, effectivement les deux Brig et Baptiste qui sont à cheval entre le rôle de support et de DPS ou même de tank. En fait, Brigitte est vraiment entre tous les rôles finalement. Anna qui est un peu out of position ici, qui va rester pris dans le bac. Elle a pas été repérée par exemple. Je pense qu'elle va être correcte pour s'en sortir. Ouais, on l'a vu utiliser son scope et je crois qu'on se demande vraiment qu'est-ce qu'on va essayer de faire. Je pense qu'elle se demande qu'est-ce qu'elle fait en ce moment parce que là, elle va dans le bac. Ah, le beau sleep sur Matalite par contre. Matalite qui est endormi au sol. La charge de Scorpion Kill, on n'a pas le kill pour l'instant. Le gros shatter de Scorpion Kill, on est en plein milieu du Immortality Field, suivi de la Transcendance. Et on va aller chercher le kill sur Saf, Scorpion Kill et Lucenberg qui vont tous tomber. Je pense qu'on a beaucoup trop de healing en ce moment. Oui, ça n'a aucun sens. C'est juste incroyable. On a fait un gros chaleur, on n'est pas capable de récupérer le point. Oh, un backcap ici par exemple. On est très loin du point. Est-ce que c'est Doom qui est sur le point? Voilà. Oui. Doom qui va utiliser son Mountain Core. On va aller chercher le Immortality Field, encore une fois, qui va sauver Matalite. Et on va se prendre un Flame Strike en plein visage. Mais voilà, le Team Fight est maintenant sur le point. Le Shatter ici sur Scorpion Kill. Le solo Shatter sur le Reinhardt. Et là, on a un duel de Reinhardt. Oh, Matalite qui va tomber. Neo Axel qui va se faire prendre par Scorpion Kill également. L'overtime qui était enclenché. On est maintenant en contrôle. Et Gaming Hall qui va aller chercher le kill ici sur la Scorpion Kill. La Mercy contre le Baptiste ici. Allez, sors ton pistol. Oh, la résurrection réussie sur Scorpion Kill. Et le point est toujours en contrôle de NTT pour l'instant. Et on va au NTT Dawn qui sort le Widowmaker. Ici, on va aller chercher le kill sur Norax. La map de Ruine ici qui est généralement une très bonne map pour les Widowmaker due à la longueur des espaces ouverts. Mais en ce moment, Dawn qui est sur vraiment au niveau du sol, on pourrait aller chercher plus de hauteur avec le grapple. Est-ce qu'on va récupérer quelques kills? On est très loin, positionné très loin en ce moment. Aucun kill pour Frank avec son bastion. Et Dragon Strike ici. Destro Dragon, double kill avec son Zen. Matalite sur Saf également. Et Diddy Frank, quand même, qui va aller chercher un double kill. On a l'Amplification Matrix qui est placé. Mais Norax, il va aller chercher le. Alors, toucher le point, la Widowmaker qui va pas se jeter vers le point, malheureusement. Et qui va se prendre une flèche en pleine poire par le fémur. Mais donc, capture de Back in Black. Très intéressant quand même comme composition ici. On a switch à la fin pour un Lucio et un Zen. Parce qu'au début, je pense pas que c'était un Lucio et un Zen au début. Côté de Back in Black. Je pense qu'on avait une Mora. Ça se peut-tu? On était vraiment avec Lucio et Zen. Non, je pense que c'était Lucio. Je pense que c'était exactement cette composition-là. Oui? Ok. Je pense que oui.
Donc on est resté avec la même composition tout le long. On a quand même réussi à récupérer le point puis à gagner la round. Et on va faire le petit changement ici. On va aller chercher Mercy avec Nerf Trump pour remplacer. C'était Brigitte, je crois. Oui. Alors que du côté de NTT, on a maintenant le Roadhog, Orisa. Évidemment, pour maximiser. Et le Lucio qui sont toutes seules de leur côté. On essaie de maximiser les environmental kills, je crois, avec justement Roadhog, Orisa et Lucio. Mais pour l'instant, les kills semblent être vraiment en faveur de NTT. Malgré la fronte. Au moment où je dis ça, on va perdre Dawn et je crois que c'était Lucian Bar qui est tombé également. Et on capture le point du côté de Back in Black. Ce sera Matalite qui va aller compléter le beau hook ici. Matalite qui va se retrouver à l'intérieur du puits. Bien joué. Ça sera pas long, malheureusement. Je crois qu'on n'aura pas récupéré beaucoup de pourcentage ici. Donc. Seulement 9%. Titi qui a décidé que ça se passait pas comme ça, mais on sait, la Arisa et Rodog ici, c'est très fort comme... Oh! Le bout! Neo Axel qui va aller chercher un double kill ici, tout simplement. On a un disconnect du côté de Back in Black. Et Neo Axel qui continue les boups, les uns après les autres, on balance tout le monde dans le kill lui. Ici pour le Lucio, je pense qu'on peut quasiment appeler ça un Lucio Carry pour ce push-là. Est-ce qu'on a une Anna? On n'a pas d'Anna malheureusement du côté de Back in Black pour avoir un boostio. Mais Neo Axel qui fait tout le travail pour son équipe. On aurait pu faire une point même si on avait un disconnect du côté de Back in Black. Shatter ici de la part de Matalite. On va aller chercher, je crois, 4 joueurs d'un seul coup. Et le Dragon Strike par-dessus. Dawn qui va tomber. Saf et Frank également. Scorpion Kill va être éliminé par Matalite. On récupère Frank quand même. La Matrix qui est placée par Baptiste. Et là, vraiment, je crois qu'on tente de sauver les meubles du côté de NTT pour l'instant. Doom qui va être éliminé. Lucian Bark, dernier de son équipe, va tomber finalement. Et Back in Black reste en contrôle du point. Oh, Norax ici sur Saf, bien joué de la part du Anzo chez Back in Black. Une très belle position ici face à ses adversaires. On a le Rainer qui va se positionner peut-être pour un... Back Shatter? Scorpion Kill qui va charger Gaming Hall dans son propre spawn ici. Une belle charge d'Estron Dragon sur Frank ici par contre. On avait une belle ouverture pour le Shatter. On l'a conservé. Nano Boost qui est utilisé. On a le Dragon Strike en plein milieu de l'équipe. Par contre, Scorpion Kill, Nano Boosté, trouve aucun adversaire sur qui balancer son marteau. Va trouver Neo Axel avec le Fire Strike. Destro Dragon qui a pas dit son dernier mot avec son Zenyatta va aller carry son équipe autant que Neo Axel l'a fait précédemment. La transcendance solo transcendance pour ce dernier. Et on tente vraiment de. Ici, on a aucunement peur de Scorpion Kill. On va vraiment là par-dessus le Reinhardt. Le tout pour le tout. Qui est comme moi, je veux la Anna à tout prix. Et on rappelle, le point est toujours en contrôle de NTT pour l'instant. Et on cherche. On avait un DC également, Nerf Trump, je crois, qui était. Bon, le Sound Barrier qui est bien placé de la part de Frank. On va aller chercher la majorité de l'équipe ici. Et les joueurs de Back in Black qui vont tomber. Ici, NTT Frank face à Norax avec son Lucio. On va aller chercher l'élimination avec l'aide de Doom. Et le point est toujours en contrôle. Ah, mais qui a un kill ici avec son pistol. Destro Dragon, encore une fois, avec son Zenyatta qui. Qui a pas froid aux yeux, ça on va chercher ici NTT Frank, les balles en plein visage. On cherche Saf pour l'instant, on est dans le backline avec le Zenyatta. On cherche le duel face à NTT Saf. Et finalement, Doom qui va venir sauver à la rescousse de son partenaire. Lucian Bark va être balancé à l'intérieur du but par Neo Axel encore une fois. Le Dragon Strike une nouvelle fois qui est placé par Norax. On a un Nano Boost sur Doom. La charge de Matalite en plein milieu de l'équipe adverse. Le boob sur le Lucio, je crois qu'on va récupérer le point ici. Oh! Shatter de la part de Scorpion Kill et le point est récupéré par Back in Black finalement. Un Norax est d'aller chercher l'élimination sur le Reinhardt du côté. On est de retour sur le 6v6, on va essayer d'aller toucher au point avec la Anna ici. Et encore une fois, Nero Axel qui va aller chercher le kill. Oh, le beau hook ici sur Nerf Trump, on est forcé d'utiliser la Valkyrie, on va être éliminé. À l'instant, le Shatter de la part de Matalite, par contre, on va aller chercher Lucian Bark, l'élimination, et Scorpion Kill également, qui va être éliminé par Gaming Hall.
Et Doom qui fait le tour du puits ici, essaie de trouver une cible pour balancer dans le puits. On va être éliminé par Neo Axel par contre. La charge ici sur... Oh, on va tout juste manquer la... Ah, voilà. La capture qui est complétée par Back in Black ici. Beaucoup de mouvements dans cette partie. On rappelle qu'on a eu un DC, puis on a quand même récupéré le point. On l'a gardé pendant un long pourcentage. Puis, étonnamment, c'est pas Lucio avec son Environmental Kill. J'ai de la misère à dire ça. C'est plutôt Morax qui va avoir le play of the game ici. Oui. Avec, mais normalement, on privilégie les kills d'environnement, mais c'était quand même un très beau play avec la Widow à la fin. Oui, on complète justement le triple kill pour Norax avec son Panzo. Est-ce que c'est la nouvelle méta Quad Support avec Baptiste? Peut-être. Ça faisait énormément de damage à voir. C'est sûr qu'on est dans du theory crafting ici parce que... Ouais, vraiment, Back in Black qui ont sorti le playbook et on tente de voir si on... Qui sait, peut-être qu'on a des coachs de la Overwatch League qui regardent le stream et qui vont prendre des notes. Ah, peut-être, ça serait incroyable. Qui vont appliquer ça sur leur équipe. Mais vraiment, je trouve que c'est intéressant de voir l'utilisation de ces supports-là, Baptiste, Brigitte et Zenyatta, qui sont tous un petit peu à cheval entre le DPS et le healer. Très hâte de voir On a déjà eu la méta avec les 4 tanks, mais je pense pas qu'on a déjà vu une méta de 4 supports. Parce qu'on n'avait pas assez de damage avant, donc maintenant on en a des supports qui font énormément de damage. Donc. Ouais, en plus, avec le Amplification Matrix, peu importe ce qu'on tire au travers, le dommage qui est amplifié tout simplement x2, donc doublé. Et peu importe si on a peu de dommages avec la matrice qui est placée là. Puis on a le healing aussi qui est quasi infini si on veut, parce que comme on a vu dans la première round, on avait vraiment 3 cheese qui font énormément de dommages quand même. Damage, ouais, excuse-moi. Puis on a quand même été capable de... Ça paraissait presque pas qu'il y avait un Bastion et un Turb Jaune de l'autre côté parce que ça a vraiment pas duré plus que 5 secondes. On a été capable de healer notre seul tank. Puis de survivre, de faire assez de damage pour avoir le point et balayer l'autre équipe. Ouais, on a le 6 support meta qui était présent précédemment. On l'a déjà vu. En tout cas, on espère le... En tout cas, si ça fonctionne, c'est toujours ça la question. C'est si ça fonctionne, c'est absolument pas un troll comp. Parce que ça fonctionne. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais donc, on va avoir. On ira pas cette fois-ci. On ira pas cette fois-ci avec Cat Support, malheureusement. Non, on va se garder une petite gêne du côté de Back in Black. Alors que du côté de NTT, on rappelle, on est maintenant du côté bleu. Donc, en défense pour NTT. On y va avec le classique. Ici Roadhog Junkrat qui est un beau mix généralement. Donc souvent par contre on rajoute la Orisa par-dessus. Donc on va skipper la Orisa pour l'instant au profit du Reinhardt du côté de NTT. Très hors de Baptiste, vraiment on l'a vu dans à peu près tous les matchs jusqu'à maintenant je crois. Ouais. On mentionnait c'est un personnage qui est un petit peu lackluster, dans le fond, c'est pas un joueur qui est très très flashy, mais on le voit ici justement réaliser une très belle guérison. On va garder son équipe en vie. On voit la position de Gaming Hall, qui est surprenamment, on porte pas très attention à l'équipe adverse, on est vraiment très concentré sur la guérison avec le right click de Baptiste. Et entre temps, vraiment, là, le push qui est... Qui est réalisé sans faute du côté de Back in Black ici. On va aller chercher les kills suffisants pour débloquer. On a un Riptire qui s'en vient quand même de Frank qui va aller chercher un double kill. Matelite par contre va aller chercher l'élimination. Scorpion Kill en très mauvaise posture en ce moment va décider de tout simplement abandonner sa vie. On a quand même capé le point ici par contre, donc
va falloir regrouper pour pouvoir défendre comme une. Parce qu'on a l'avantage du spawn ici, là, donc. Oh, le sleep ici sur Lucenberg, par contre. Et TT Doom qui va aller chercher quand même le kill sur, sur Norax. Je sais pas où est-ce que Norax était. On sent où est NTT Doom, il fait des ravages. On va aller chercher le kill sur Nerf Trump également. On a vraiment puni les joueurs adverses qui ont un peu overextend chez Back in Black avec le Reaper. Encore un kill ici, Destro Dragon qui va tomber face à Frank. Mais entre temps, le payload avance toujours. Doom qui va être forcé de se replier. Mais, on change rapidement les ults aussi du côté de Back in Black aussi. Dragon Strike et Tactical Visor. On va aller chercher triple kill pour Neo Axel. On va être éliminé par contre. Je crois qu'on a, on a combiné le Tactical Visor avec la Matrix. Le Whole Hog de Matalite qui est utilisé également sur solo ult sur Saf. Mais ça, je crois que la Matrix a été utilisée en combinaison avec le Visor. C'était un ult questionnable pour le Nano Boost. Un peu tôt, je dirais. On force quand même la transcendance de la part de Dawn. Et Doom qui fait des ravages sur l'équipe adverse en ce moment avec son Reaper va aller chercher un double kill, Scorpion Kill sur Norax également. Et le Torbjorn de Nerf Trump qui va être éliminé. On poursuit Matalite ici jusqu'aux confins de la Terre. Le hook était Doom très bas en vie. On va réussir l'élimination sur Matalite, mais au prix de notre propre vie face à Neo Axel. La résurrection sur Doom pour ramener le joueur en combat. Et on a finalement réussi à arrêter l'autoroute, à bloquer l'avancée du payload par NTT. On n'a plus d'ult disponible ici du côté de Back in Black, mais on en a trois de l'autre côté, bientôt quatre. On a quand même un gros avantage du côté de la défense. Et on a utilisé le Nano Boost sur NTT Doom qui va être endormi par Destro Dragon. Très, très beau sleep de sa part. Doom qui va être forcé à l'extérieur du fight pendant une longue période. Nerf Trump qui fait le plus gros des flanks avec son Torbjorn utilise l'amplification de Torbjorn justement. Va être éliminé par contre par Saf. Et encore une fois, la résurrection qui va être très utile. Dragon Strike qui s'en vient. Va aller chercher. On a perdu les deux supports ici, par exemple. À noter les trois supports en fait. Tout le monde tombe chez NTT à l'instant. Alright. Oh, ici Frank qui est encore en vie par contre, a pas dit son dernier mot avec son Junkrat. Mais on va être poussé à l'extérieur, voilà, par forcé par Neo Axel. On a le Riptire, on débloque le checkpoint par contre. Et on a le Riptire de la part de Frank qui pourrait être dévastateur sur ce payload. On a 5 ults qui s'en viennent aussi du côté de l'attaque. Et un 4 ults de l'autre côté. On est quand même pas mal équivalent au niveau des ults. Donc ça va être une question de bien manager le tout et de voir si on est capable d'aller chercher des gros picks. À noter aussi qu'on peut voir que le Baptiste, son ult, charge quand même très rapidement. Je dirais presque autant rapidement qu'un Enzo, ce qui est extrêmement bon, sachant que Enzo est un des ults avec la Tracer qui charge le plus vite du jeu. On a un Death Blossom ici qui est utilisé par NTT Doom, mais on avait encore une fois le Immortality Field qui était placé. On n'avait aucun stress. Voilà le Visor utilisé avec l'amplification de Baptiste. Et le Nano Boost, on a tout balancé sur Neo Axel d'un seul coup. Et vraiment, ça a été dévastateur. On a le Riptire de la part de Frank qui s'en vient. On avait le Immortality Field qui est placé. Et Neo Axel qui va aller chercher avec un Helix Rocket autant le kill sur Doom que le Riptire de Frank. Et voilà, on va compléter la capture. On a fait énormément de damage ici à l'attaque avec le Tactical Visor puis la barrière de Baptiste, mais aussi à ne pas manquer la turret sur le payload avec la Matrix qui se promenait. Donc ça fait énormément de damage. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on a vu encore aujourd'hui. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on va voir de plus en plus dans le futur. La turret, le ult devant, ça fait énormément de damage. Ouais, je pense qu'on commence à peine à découvrir les utilisations du Amplification Matrix de Baptiste. Vraiment, là, on l'a vu sur la dernière séquence là, avec le là, tu le mentionnais, la turret, le visor, le nano boost qui a été rajouté par-dessus.
Vraiment, là, c'est... à ce moment-là, c'est l'équipe adverse fond devant nous. Puis à noter qu'on n'avait pas, non plus le... Tu sais, je pense que si on avait le transcendance à ce moment-là, ça aurait été un très beau counter. On aurait utilisé 4 ultres ou 3, peu importe, mais 3 ultres pour un transcendance qui est très bon. Donc, ça peut être un très bon counter, des fois un Lucio ou un Zenyatta de l'autre côté pour tous ces combos. Un ult contre 3, c'est quand même assez... ça peut être quand même assez worth. Si on veut l'expression. Ça va peut-être être le counter-pick sur Baptiste. Ça va être l'utilisation justement du Zenyatta. On va voir. Encore une fois, la méta est encore très malléable, très jeune. Donc, Matalite ici, très bien placé avec Ashe. Il va aller chercher le kill sur MTT Doom. Matalite avec Ashe justement. Face à l'équipe adverse, on est vraiment très agressif ici face à l'équipe adverse. On va prendre l'avantage du pic pour essayer de pousser un peu pour avoir un autre pic. Mais du côté de l'attaque, on va y aller, on va regrouper tranquillement pour ne pas se faire encore une fois la Widowmaker. Ouais, NTT Doom qui va se prendre une balle en pleine poire de la part de Gaming Hall. Et finalement, finalement on va réussir à pousser un peu. Mais ce sera pas pour tout de suite. Lucian Bird qui va tomber. Également Neo Axel qui va faire la pression avec le soldat sur NTT Dawn. Mais NTT Doom qui a pas dit son dernier mot avec la Widowmaker. Oh, on va se prendre une balle en pleine poire encore une fois. Oh, le beau tir par contre sur Matalite. Pas suffisant pour aller chercher le kill. Je crois que ça va être le moment ici de pousser pour le point en attaque parce qu'on a quand même des bons picks là ici. On a 3 personnes dans le spawn donc. C'est le temps, là. On a pas de temps à perdre. On a l'ouverture qui est présente. Norax qui va aller chercher le kill ici sur le beau sleep sur NTT Saf. Et c'est pas terminé encore. Neo Axel est de retour sur le spawn. On a le Dragon Strike qui va aller chercher quand même beaucoup de dommages sur le Reinhardt. Et voilà, on complète la défense ici. Malgré les éliminations, on a quand même réussi à hold. La Ana qui a pas du tout été dérogée du high ground, on l'a vu pendant toute l'attaque, elle est restée sur le high ground, elle a fait du damage, elle a été capable d'avoir des picks, de healer, elle avait une bonne vision sur son équipe, donc rapidement on a été capable de... on n'a pas été dérogé. On a Tactical Visor de Neo Axel ici, on va aller chercher NTT Saf directement, Lucian Bark, NTT Dawn, Scorpion Kill, Quad Kill pour Neo Axel. Très beau visor de la part de Neo Axel. On était très bien positionné. On était bien patient aussi. Attendre que l'équipe adverse se place. Beau. On perd quand même énormément de temps du côté de l'attaque. À noter qu'on a quand même 4. Maintenant 3 luttes. Oh, la Matrix qui est placée. Juste avant que tu t'en parlais, la transcendance de Gaming Hall qui va tout simplement canceller le tout. Et on a un beau Firestrike de la part de Scorpion Kill qui a été lancé. Le Firestrike d'ailleurs au travers de la Amplification Matrix qui est dévastateur. Mais qui a été bloqué par la transcendance de Gaming Hall. Très bien joué de la part de ce dernier. On va perdre Norax tout de même. Donc on a possiblement une petite ouverture pour NTT. Il est très agressif quand même du côté de la défense. On n'a vraiment pas peur. On s'avance. Puis, le Reinhardt qui va peut-être tenter un flip ici. Non. On a le Riptire de la part de Frank qui va être éliminé par Gaming Hall, par le Zenyatta. Doom qui est maintenant sur Doomfist justement. Oh, le beau Gaming Hall et le combo pour poursuivre. On est très bon en vie par contre. Le punch qui va toucher Bob, je crois. On a été sauvé par Bob ici. Le double kill de Bob ici. Sur Dawn et Doom, Nurtrump qui, avec le Molten Core, va aller chercher une élimination également. Mais on reprend, voilà, la défense qui est devant le spawn adverse. Tu le mentionnais, on n'a pas peur, on est bien confortable. Et Norax ici va aller chercher un kill sur Dawn. Il reste 10 secondes pour attaquer, le Reinhardt qui a pas le choix de se diriger vers le point pour essayer de prendre un peu d'overtime pour son équipe. Est-ce que je... Ah oui, on réussit à déclencher l'overtime. On va avoir le rest peut-être sur le Reinhardt. Lucian Bark avec la Valkyrie, on utilise le Visor. Double kill pour Neo Axel encore une fois.
On cherche un TT Doom. On est tout juste dans, dans le visor. On utilise... mais voilà. Victoire de Back in Black. On n'a malheureusement pas réussi. Je pense que dans toutes les pushes qu'on a fait, on n'a malheureusement pas réussi à pousser en 6v6 de toute l'attaque. On avait tout le temps une personne qui était morte. Clear the game pour Nerfstrom d'ailleurs. Avec son, son Molten Core. Et on continue avec le marteau. Le marteau. Le marteau qui fait énormément de dommages, soit dit en temps, à ne pas sous-estimer. C'est juste quand même drôle de le voir, de voir le Top Jones se promener et frapper sur les ennemis avec son petit marteau. Je sais pas si, si ça a été changé. Je sais que il fut un temps où le marteau de Torbjörn faisait du AoE damage, un peu comme le marteau de Reinhardt par exemple. Mm-hmm. Et j'ai déjà vu un play of the game de justement un Torbjörn qui frappe sur l'équipe adverse qui est dans le dans un Graviton, qui va chercher un team kill d'un seul coup comme ça, avec le dommage qui s'additionne. Mais donc sur ce, on a une victoire de Back in Black face à NTT, ce qui mène Back in Black justement à la fin de la saison avec une seule défaite face à leur rival, Back in White. Et sur cette belle finale de match, on va prendre une courte pause. On va vous revenir à 21h pour le prochain match qui opposera les Lynx de Édouard Montpetit aux Gaillards de Jonquière. Donc, revenez nous voir à 21h. Restez sur le stream, évidemment. On a plein de gens qui se jasent dans le stream. Restez là. Et on vous revient dans pas long.
Yeah.
5, 4, 3. Mesdames et messieurs, on est de retour. C'est la dernière partie de notre soirée d'Overwatch le mercredi à la LCE. On a donc le match qui va opposer les Lynx aux Gaillards ce soir. Et j'ai avec moi Opi. Comment vas-tu, ma chère? On est au troisième match de la soirée. Encore en forme? Non. Oui, ça va. Je voulais un peu te... Mine. Oui, ça va super bien, toi. J'ai eu un crash de sucre pendant la pause. la soirée est presque finie, tu vas pouvoir aller manger. On va te détacher, tu vas pouvoir être libéré. Je suis encore très en forme, inquiète-toi pas. Cool, merveilleux. Donc, on va avoir le match Les Lynx de Édouard Monpetit contre les Gaillards du cégep de Jonquière, évidemment. Et là, on nous dit entre les branches que c'est la fête d'un des joueurs des Lynx. On voit ça, vous le voyez dans le chat, donc c'est la fête à Enox. Si jamais Enox fait des plays, ben on va pouvoir dire que c'est pour sa fête. Mais en tout cas, moi, je pense pas qu'on va chanter bonne fête à Enox. Moi, ça me... En tout cas, on verra! OK? On verra. On verra ce qui se passe. Je vais te laisser faire la petite chorale toute seule. Oh non, si je chante, tu chantes avec moi. Ça, c'est sûr. Mais donc, on rappelle que on est à la dernière semaine de la saison régulière ce soir. Dernier match qu'on va présenter de la saison régulière. On va avoir... la semaine prochaine, ça va être les demi-finales, les quarts de finale, etc. Alors que les finales officielles auront lieu le 27 et le 28 au courant du mois d'avril. Donc, on est sur Paris, on le rappelle, tous les matchs se déroulaient sur Paris. Du moins, les premières maps se déroulaient sur Paris pour la majorité des équipes ce soir. À l'exception du dernier match, qui je crois que c'était une reprise ou un déplacement de match, peu importe. Dans tous les cas, on a les Gaillards du côté bleu et les Lynx du côté rouge avec Arcanine, Tommy Case, Morgan Latte, Blue Seb, Jellycool et Max Wright. Alors que du côté des Lynx, on a Enox, à qui c'est la fête. Bonne fête, mon cher. Green, The Unforgiven, Kaoli, Airy Moon et Captain Beard. Et également, à la fin de ce match, on va attribuer les poires des matchs, des trois matchs de ce soir qu'on n'a pas fait, malheureusement... Au courant de la soirée. Mais on va les faire après ce match-ci. Donc, restez là pour voir l'attribution des poires du match pour cette soirée d'Overwatch. On le rappelle, pour ceux qui sont des fans de la LCE, on est très content de vous voir présent pour nos matchs d'Overwatch. Mais également, il y a les autres esports qui sont présents le reste de la semaine. Donc, on a Hearthstone, on a Rocket League également, qui sont le lundi et le mardi, respectivement. Et on a également le League of Legends, qui est le jeudi, à moins que je ne m'abuse. Non, je crois que League, c'est mardi. En tout cas, tout ça pour dire que...
on a des matchs du lundi au jeudi sur la chaîne de la LCA. Donc, ne manquez pas ça. Et sur ce, l'affrontement est commencé. Un Canadien qui a bien chargé son laser ici va aller chercher l'élimination sur Captain Beard et Harry Moon, donc le duo de la pharmacie qui va être zappé into Oblivion par Arcanine. Arcanine qui a pas dit son dernier mot, continue avec sa Symmetra. Très efficace ce dernier avec la Symmetra. On va être très agressif ici pour essayer de récupérer un ou deux points. Là, on va reculer avec le TP. Mais on a la Widow qui est positionnée sur le high ground de droite. Pour essayer de faire des pics. On a été switcher la Pharah, de l'autre côté, puisqu'on a. Ouais, Captain Beard qui est maintenant sur le Junkrat. Captain Beard qui est jusqu'à maintenant. Ça a passé tellement proche, Harry Moon. Je sais pas à quel point tu sais. À quel point t'as failli te prendre une balle en pleine poire. Oh, et c'est plutôt Blue Seb qui va se prendre une flèche en pleine poire de la part de The Unforgiven. On a l'Immortality Field qui est placé, mais Captain Beard va tout de même être éliminé. Arcanine qui va poser la Photon Barrier ici. Airmoon qui va récupérer son Junkrat avec la Résurrection. Tommy Case qui tente de défendre l'arrière du point face à The Unforgiven avec son Renzo. Et Reynard ici qui est sur la back line, étonnamment, normalement Reynard va être sur la front line. Et Arcanine qui va aller chercher le kill sur Captain Beard et Nox également qui va tomber. On est très bien positionné pour les Gaillards. Et Green voilà, va tomber, The Unforgiven également. La Mercy de Harry Moon qui va être finalement éliminée par Tommy Case. On a aussi The Unforgiven ici qui a perdu malheureusement son Dragon Strike. Malheureusement, mais ça va quand même le forcer à le switch pour Genji. Ben, c'était peut-être voulu, je sais pas, mais on a perdu le. Ouais, on a fait le switch justement pour le Hanzo. On est maintenant sur le Genji. Genji qui, ça faisait très longtemps qu'on l'avait vu au niveau du meta. On a un petit retour de Genji là, depuis quelques semaines, dans la ligue du moins. Le beau reflect des flèches de Blue Seb. Et l'attaque qui, on dirait, on a de la difficulté à trouver une porte d'entrée bon. Face. On a le Graviton qui s'en vient aussi avec le Dragon Strike, donc peut-être un combo aussi. Et oui. Graviton qui est bien placé de la part de Max Wright, on lance le Dragon Strike au travers. Et voilà, on va aller chercher les éliminations qui comptent ici. The Unforgiven, le dernier de son équipe en vie face à l'équipe adverse ici. On va malheureusement stagger le décès. Et oh, on fait des sneaky, mais... Avec seulement 29 points de vie, ça va plutôt causer... Oh! Bon, j'ai coincé la caméra en dessous du stage, fait qu'on va revenir... On va revenir sur le stage. The Unforgiven qui a fait un beau sneaky, mais en même temps, malheureusement, ça cause un stagger pour son équipe. Et donc, on va ralentir un petit peu l'attaque encore une fois. On a seulement un push maintenant qui nous reste pour l'attaque. Va falloir récupérer le point, sinon malheureusement ça va s'arrêter là pour l'attaque. On a un Amplification Matrix de la part de Jellicoot qui va pouvoir être posé. Il y a un Forgiven qui est bien placé ici, très agressif derrière l'équipe adverse, mais va être forcé de se replier vers Harry Moon. Harry Moon qui va être éliminé par Arcanine, grandement aidé par Jellicoot aussi. On a un Riptire qui s'en vient de la part de Captain Beard. Double kill pour ce dernier. Peut-être juste, mais on va aller chercher le Shatter, voilà, qui a été utilisé. Et soudainement, ça semble être plus compliqué pour les Gaillards. Le Amplification Matrix qui est placé. On a l'augmentation, le double de dommages de tous les projectiles qui passent au travers. Le D-Bob. J'allais dire le D-Bob, mais c'est Enox qui va aller chercher le kill sur Tommy Case. Et est-ce qu'on va réussir finalement à capturer au courant de l'overtime? Je crois que ça va être le cas. La Amen ici qui fait énormément de stalls en ce moment, qui va permettre au Reynolds quand même de revenir. Canard, justement, qui garde ce point en contrôle, va être éliminé. Morgan Latte, qui est maintenant présent, va être éliminé. Par contre, on n'a pas le temps d'aller toucher au point. Ici, on va pousser hyper rapidement parce qu'en fait, on a déjà deux pics du côté de la défense. Donc, c'est le moment là, où jamais on a l'avantage. Là, c'est le temps là, de prendre le point. On doit être très agressif du côté des Lynx. On va avoir. On avait l'ouverture. Le Dragon Blade de The Unforgiven qui va être utilisé ici. Va aller chercher un premier kill, double kill pour The Unforgiven. On continue. Et c'est Kaoli qui va aller chercher le kill sur Morgan Latte. Kaoli qui va être éliminé ici. The Unforgiven toujours présent. Arcanine, encore une fois avec sa Symmetra, va aller chercher un double kill très efficace
ce joueur en particulier. Bruce qui va tomber. Max Wright maintenant présent sur le point. Tente tant bien que mal de garder, d'empêcher la capture. Est-ce qu'on va avoir le temps de charger le grab? Oh, la charge de Morgan Latté sur The Unforgiven. Le Graviton qui est presque prêt, tu le mentionnais, va être prêt à être utilisé à l'instant. On n'en aura pas besoin, par exemple, pour ce push-là, mais on va quand même l'avoir en réserve pour, qui sait, peut-être, avec un combo avec Baptiste. La grosse charge ici, mais Kaoli va quand même en payer de sa vie. La poursuite qui a été engagée par les Gaillards. Et on Blue Sam qui va tomber ici, par contre. On a une ouverture chez les Lynx à nouveau. À noter ici qu'on n'a pas capé du tout le point, on n'a pas de pourcentage de gagné, donc on recommence à zéro. La Fountain Barrier qui est placée, mais très très loin devant le point. Donc on n'aura pas nécessairement l'avantage de la barrière au courant du teamfight qui pourrait se développer devant nos yeux. Et voilà, la Fountain Barrier qui va tomber actuellement. The Dragon Blade de The Unforgiven. On a un Graviton, je crois, qui a été utilisé également par Max Wright. Double kill pour The Unforgiven, encore une fois. On a une Dragon Blade de la part de Blue Seb. Également, on va aller chercher Green qui va tomber, mais on va être éliminé ici par Captain Beard. Diva Bomb sur le point, on va aller chercher l'élimination sur Tommy Case. Encore une fois, Max Wright présent sur le point. Empêche la capture. Arcanine. On a le Shatter qui s'en vient ici. Shatter de Morgan Maté, très beau Shatter, soit dit en passant. Mais c'est pas suffisant. Tenter le res ici. On continue, le point est toujours contesté. Max Wright est de retour sur... on a utilisé le Shatter par Kaoli. Max Wright qui est de retour sur Wrecking Ball, qui est très efficace. On l'a vu garder le point très longtemps, le premier point. La Matrix qui est utilisée par Jelly Cool ici. On donne un gros avantage de dommage à l'équipe. La belle charge de Morgan Latté sur Kaoli. Le Ice Wall très bien placé ici. On a par contre un Riptire qui va aller chercher le... Ou plutôt, c'est Enox qui va aller chercher le kill sur Morgan Latté. Enox qui va perdre ici son mec. Encore une fois, un très beau Ice Wall. Très bien placé, mais The Unforgiven qui est encore en Dragon Blade va aller chercher un double kill encore une fois. Chacune de ces Dragon Blade a été très efficace au courant du match. Max Wright encore une fois très efficace avec son Wrecking Ball pour garder le point pour contest le plus longtemps possible. Arcanine qui est maintenant sur le Doomfist va aller chercher Enox. Max Wright qui finalement va être éliminé par Captain Beard, mais Arcanine qui wreck shop en ce moment, Meteor Strike. On est allé chercher Harry Moon également, Captain Beard qui va tomber face au Doomfist. Doomfist maintenant face au Genji de The Unforgiven. On est très très bas en vie. Le temps continue à descendre ici, on a seulement un push très serré, le push il va rester 20 secondes pour attaquer. Est-ce qu'on va avoir le temps de récupérer, de regrouper à temps pour pouvoir toucher? On a eu seulement un tick. On a la Diva qui va peut-être avoir la possibilité de toucher, mais il nous reste 5 secondes. Et là, on a surtout le Blizzard de May qui va être très efficace pour empêcher l'équipe adverse d'aller toucher. Mais on va quand même engager l'Overtime, Harry Moon entre autres avec la Valkyrie qui a permis de déclencher cet Overtime. On utilise la Résurrection sur Captain Beard. Et The Unforgiven, on a la matrice également qui est placée, le Minefield qui est déposé sur le point. Et je crois que malheureusement ce sera tout pour les Lynx. On a Kaoli qui est présent, qui garde l'Overtime en vie. Green est de retour, mais ça ne sera pas assez rapide. Max Wright ici qui a fait énormément de stall tout au long de la défense. Il a gagné hyper beaucoup de temps pour son équipe. Son équipe a eu le temps de regrouper, de se positionner sur l'high ground avec le Baptiste qui a utilisé sa Matrix aussi à plusieurs reprises sur le high ground. Mais encore une fois, une belle exécution de Max Wright. On n'a pas été capable de trouver une solution. On s'en débarrassait pas assez rapidement, donc ça laissait vraiment le temps à la défense de se repositionner. Ouais, le Wrecking Ball de Max Wright qui a été qui a gardé le premier point en vie quand même très très longtemps et qui a fait de même sur le deuxième point. Un joueur très efficace, mais The Unforgiven avec ses Dragon Blades, chacune de ses Dragon Blades je crois est allée chercher un double kill au moins, sinon plus. Là on va se retrouver en situation inverse, donc à l'attaque on va avoir les Gaillards alors que les Lynx vont tenter de... d'opposer une défense. Et là, on voit... On va laisser tomber Lazaria encore ici. On va voir un Bastion comme plus tôt,
plus tôt dans la soirée en défense. Donc, est-ce qu'ils vont se positionner sur le high ground en avant? Je crois bien que oui. On a une mais, par contre, cette fois-ci, pour contrer la divecom. Mais qu'on sait qu'il est très bonne, en fait, contre Winston et Diva. Est-ce qu'on va devoir switcher pour un Reynard? Seulement le temps nous le dira. Mais on est parti, l'attaque qui va se présenter. On va se retrouver face à la problématique actuelle du Bastion. Ah, le concussive qui aurait pu être très, très efficace, mais qui a été un peu mal placé de la part de Arcanine. Mais on a quand même un bel avantage ici. Blue Sev avec le Genji. Et le bastion de The Unforgiven qui fait énormément de dommages actuellement. Blue Sev, Green, pardon, qui est en mauvaise posture, mais va être éliminé par Arcanine. Tommy Kay sur Kaoli, mais on a 3 kills chez les Lynx actuellement. Le push qui est définitivement brisé pour l'instant. Et on va reprendre position, la défense qui a été très efficace sur ce premier push. Ouais, avec le bastion, le Winston et la Diva, comme je disais au début, on va peut-être vouloir switcher pour quelque chose d'un peu plus standard et moins divey, parce que la Mi, elle a fait énormément de travail sur l'attaque. Et là, on a le Configuration Tank qui vient tout juste d'être débloqué pour The Unforgiven, justement, qui va être utilisé à l'instant. On va... Choix un peu peut-être discutable, on vise les joueurs aériens, mais on va aller chercher, voilà, direct hit sur Tommy Case. Et on va être quand même obligé de se repositionner pour The Unforgiven. Et on va aller chercher au double kill ici d'un seul coup pour The Unforgiven. Jellico qui va récupérer Morgan Laté, mais le push qui est définitivement brisé. Actuellement, on utilise la Amplification Matrix un peu tard dans la part de Green, mais quand même. C'est un ult qui va être utilisé. Ici, on continue à se battre, par contre, sur l'extérieur du combat. Max Wright qui va être finalement éliminé par The Unforgiven. On a encore 2 minutes pour attaquer. On va avoir 5 ults disponibles du côté de l'attaque, du côté des Gaillards. Donc, contre 2 ults, peut-être, 4, si on est capable assez rapidement de les builder. Donc, on le voit là, le bastion qui va probablement avoir soin pour le prochain. Et on a vraiment de la difficulté chez les Gaillards à trouver une réponse à ce bastion qui est protégé par le Reinhardt de Kaoli actuellement. Et en plus, avec Captain Beard qui veille au grain avec la main. On a le Diva Bomb qui s'en vient. Est-ce que c'est l'ouverture qu'on a besoin? On va aller chercher le kill sur The Unforgiven. Le barrage de Arcanine qui va être utilisé également. On va perdre Arcanine par contre face à Captain Beard. The Unforgiven qui est récupéré par Airy Moon. Et on utilise le Configuration Tank à nouveau. Diva Bomb qui est utilisé par Enox. Morgan Laté qui va aller chercher Kaoli. Arcanine qui est de retour également. Arcanine qui va aller chercher le kill sur The Unforgiven. Le Blizzard de Captain Beard par contre qui est bien placé. On va aller congeler 2 joueurs en Max Wright. La Mercy qui va utiliser son pistol ici. Mercy qui tente tant bien que mal. Air Moon qui veut garder ce point en vie. On a quand même 1 minute ici. On va avoir le temps de plus de rajouter, mais bon. Ça va nous donner quand même énormément beaucoup de temps pour attaquer le deuxième point. Et Arcanine qui va aller changer de la Mercy à probablement... Ah, on sort le Doom Fist, très intéressant. Mais on a la hache aussi. Ouais, la hache aussi. On avait le Bastion, on a switché pour la hache pour le deuxième point. Un point qui est quand même très close combat avec le Bob, ça peut être très intéressant. Ouais, le point qui est, tu disais, c'est très close combat, mais on a une grosse arène en plein centre. Donc, le Bob qui va être très efficace dans cette situation-là. Et donc, pour l'instant, on se retrouve un petit peu dans la même situation où Ash va être pocket par Airy Moon à la place du Bastion. Une belle dynamite ici qui a été peut-être détonnée un peu tôt. On va aller chercher le kill sur Blue Seb tout de même. Blue Seb qui va être récupéré par contre par sa Mercy, par Jelly Crew. On est Dragon Blade qui est enclenché, on va aller chercher double kill directement. Et Tommy Case sur Captain Beard, The Unforgiven face. Oh, le bon reflect de la part de Blue Seb sur The Unforgiven, très bien joué. L'élimination sur Airy Moon et ce sera complété. La capture est réussie pour les Gaillards. C'était une très belle exécution de la Dragon Blade qu'on a pu aussi avec la Mercy. On l'a boosté,
Donc, ça l'a aidé à faire encore plus de dommages. Et ça sera par contre l'autre Genji qui va avoir le plus de game ici. Avec sa Dragon Blade. Et comme on disait, toujours un minimum de 2 kills. Donc. Ouais, The Unforgiven qui a été très efficace avec son Genji du début à la fin. Mais même Blue Seb qui est allé chercher la Dragon Blade qui comptait à la fin. Et qui réussit à permettre la capture pour son équipe. Donc, premier point marqué par les Gaillards. On est donc à 1-0 pour le cégep de Jonquière. Et comme à l'habitude, cette fois-ci, c'est les Lynx qui vont choisir la prochaine carte. Donc, Loser's Choice, comme à l'habitude. C'est encore une... Là, ça va être une King of the Hill, je crois. Est-ce que c'est dans un choix de King of the Hill ou ils ont le choix de... Dans le fond, on a les choix limités. Je vais juste ressortir la liste des cartes. On va peut-être le savoir plus rapidement. On ne sait jamais, entre-temps, si ils choisissent la map. Mais... Si je retrouve l'endroit où les cartes sont postées, probablement que ça va être plus vite ici. Ouais, donc... non, c'est pas celle-là, c'est l'autre plus haut. OK. Donc, on a le choix de Anubis, Dorado, Blizzard World ou Ilios. Donc, OK, on a quand même... c'est pas juste des King of the Hill. Non, c'est ça, c'est varié. On va prendre Blizzard World, je crois. Du moins, c'est ce qui est affiché pour l'instant. Mais... Cette fameuse map... Est-ce que t'as quelque chose contre Blizzard World? Non, pas du tout. C'est juste... mettons que la première attaque, c'est tout le temps... le premier point, c'est tout le temps un point flip, si on veut. C'est soit on défend super bien, soit on se fait assez rapidement détruire. Mais... Et on va voir le coin flip de quel côté il va tomber pour la défense. La défense qui va commencer entre les mains des Gaillards, si je ne m'abuse. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. On va voir si, de quel côté le... Quel côté le sou, il va tourner. Ouais, voilà. Merci de compléter ma phrase alors que je suis... Pas de problème. En on va voir les compositions maintenant. Oh, on a un top jeune à la défense. On va avoir des Junkrat des deux côtés. Est-ce que ça va rester comme ça? On va le savoir dans quelques instants. Ouais, du moins du côté de la défense, la composition est pas mal lockée pour l'instant. On y va avec du solo healing du côté de la défense. Donc, on va y aller avec une Brig et une Mercy. Tandis que de l'autre côté, on va changer la Mercy pour une Mora. Je crois que c'est peut-être un pick plus safe, la Mora, ici, vu qu'on peut healer plus notre trainer rapidement. Mais on va voir comment que la Brig va jouer avec son main. Et on joue très avancé du côté des Gaillards. On est... dans l'arche centrale ici, il y en a qui se prend des balles ici, ou plutôt c'est des flèches de The Unforgiven. Pour l'instant, rien de bien sérieux, on s'échange des politesses d'un côté et de l'autre, on charge bien comme il faut le shield de Zarya. Encore une fois, pour l'instant, on a vraiment aucun pic majeur. C'est vraiment juste du dommage d'un côté et de l'autre qui est récupéré par les healers. On a quand même pas beaucoup de dommages qui se donnent, sachant qu'on a des junkers des deux côtés, c'est quand même assez... Oh, Blue Seb qui va repousser The Unforgiven, qui va lui faire regretter son avancée ici. Blue Seb avec le Torbjorn qui a quelques difficultés à toucher Cathedbeard ici sur le high ground. Cathedbeard qui va commencer à répliquer avec son junkrat. On défend super bien ici la Mercy qui est déjà son Valkyrie. Puis l'autre côté, on va avoir le Coalescence qui va être prêt pour la Mora. Alors, on va perdre deux joueurs Atomic Case ici sur Captain Beard et Kaoli. Deux éliminations d'un seul coup, très efficaces. On a le Riptire qui va être éliminé par The Unforgiven. Belle présence d'esprit de ce dernier. Et encore une fois, le teamfight, on dirait, n'a jamais vraiment commencé. On a eu des pics d'un côté et de l'autre.
On a quand même utilisé deux ults ici. Peut-être qu'on aurait pu garder le Junkrat ult, sachant qu'on avait déjà quelques pics de l'autre côté. Ça aurait pu être un peu plus safe. Mais bon, c'est perdu maintenant. Au Graviton qui est utilisé ici, Tommy Case qui va très bien abandonner, je crois, parce que bon, le Dragonstrike qui a été utilisé par-dessus, pas grand chance de s'en sortir. Mais voilà, la défense qui va maintenant s'organiser. On a un duel de Junkrat ici sur le côté. Arcanine face à Captain Beard. C'est Captain Beard qui va tomber. Arcanine qui remporte son duel. Mais entre temps, le point est en train d'être capturé. Arcanine qui va être forcé d'aller chercher le high ground. Ici, Shatter qui a été utilisé par Morgan Latte. On est maintenant de retour sur ce point. La défense qui s'organise autour du Reinhardt. Le rally qui est utilisé également par Tommy Case. La coalescence, par contre, à l'inverse. Ça devient très dangereux sur ce point. On a le Riptire qui va être éliminé encore une fois de Unforgiven. Arcanine, malheureusement, qui perd son ult. Le ult, par contre, de Captain Beard ici qui va trouver la cible en Blue Seb. On utilise le Graviton de la part de Max Wright. Et pour l'instant, on a la résurrection ici pour aller rechercher le Torbjorn. Le combat est encore en cours sur ce point. Lazaria qui est fully charge, mais un gros Shatter de la part de Kaoli. On va aller chercher Morgan Latte. Max Wright qui va tomber également. Tommy Case de surplus. Et Blue Seb qui tente tant bien que mal va être éliminé finalement. Donc, on a joué beaucoup sur les ults ici à la défense. On voulait vraiment défendre le point. Je sais pas si c'est. On a quand même perdu le grab, donc je sais pas si. Probablement qu'on aurait pu le garder, sachant qu'on était déjà rendu aux deux tiers du cap. Mais bon, on a tenté le tout pour défendre le point. Puis, à noter aussi The Unforgiven qui a un positioning très bon positioning en fait. Qui est très peu contesté. Il s'en va souvent dans la backline, un ou deux picks, puis on n'arrive pas à le contrer. Et au moment où tu le mentionnes, justement, Blue Seb qui va aller contester le high ground face à The Unforgiven. Et The Green qui va se faire pick-off ici par Tommy Case. On ouvre la machine ici du côté des Gaillards. On va aller chercher également Kaoli qui va tomber. Tommy Case, par contre, qui va en payer de sa vie. On a un Shatter de la part de Morgan Latte. On le conserve pour l'instant. On va chercher une ouverture, ou du moins, on va attendre le prochain fight. Enox qui va tomber à Max Wright. Et le team fight qui est remporté par les Gaillards. On a pratiquement rien utilisé, pardon. Donc, tout simplement par les pick-up du début du fight, on a réussi à balayer le reste. On aura encore un combat de tire ici, puisque des deux côtés, il est disponible. Donc, je pense que c'est à voir quelle équipe fera le plus de kills avec le retire. Jusqu'à maintenant, The Unforgiven qui utilise le Dragon Strike. Quand même bien placé, on coupe l'équipe adverse en deux. Le Riptire, par contre, de Arcanine qui s'en vient. On va trouver Captain Beard. Captain Beard qui n'aura pas l'occasion d'utiliser son propre Riptire pour le fight. Morgan Latte, par contre, qui va tomber à Enox. Blue Seb en plein milieu de la mêlée ici avec son Genji. Va être repoussé par Kaoli. Green qui a utilisé son Rally. L'équipe des Rouges qui est maintenant bien renforcée par l'armure de Brigitte. On va aller chercher le kill sur Tommy Case. Et le Shatter ici. On a un peu balancé tout ce qu'on avait du côté des Lynx. Il nous reste la coalescence et le Riptire. Mais vraiment là, peut-être un petit manque de communication entre les deux tanks. Donc les deux. Peut-être, mais ça va être quand même suffisant pour avoir capé le point. Donc en quelque sorte, ça peut être quand même avantageux puisqu'on on s'est assuré du point. Par contre, il va nous rester juste 3 ults. Puis de l'autre côté, on a aussi 3 ults. Mais on a le grab qui s'en vient, qui est un des ults le plus puissants du jeu. Donc, on va avoir l'avantage un petit peu de ça. Et là, The Unforgiven qui est allé chercher un pick avant même que le combat commence. Mais on a Blue Seb ici qui est très agressif sur The Unforgiven. Le duel des frères en ce moment qui se déroule sous nos yeux, c'est Arcanine qui va venir mettre fin au duel. On a le Riptire de Captain Build qui n'a pas trouvé de cible malheureusement. Et le kill ici, Arcanine sur son rival. Arcanine qui a une très belle position sur l'équipe adverse en ce moment. On n'a pas vraiment rien pour le contester. Le Riptire bien récupéré par Kaoli. Le beau Fire Strike bien placé. Max Wright ici qui va être repoussé par Kaoli. Justement, le gros Shatter ici. On va chercher pas grand monde finalement. Ça avait l'air d'un gros Shatter, mais le Shatter un peu tard, je crois. Qui a été placé. On a peut-être un petit manque de communication ici du côté des Gaillards parce qu'on avait le Retire et on a le Grav qui sont prêts. On n'a pas combo encore malheureusement, donc ce fight ici va falloir utiliser le Grav. Le Grav qui est placé, voilà. Qui va aller chercher les 6 joueurs. Morgan Latte avec la charge.
On va, par contre, va être éliminé par Captain Beard par son passif. Arcanine qui est présent maintenant sur la scène va être éliminé par The Unforgiven. Jellico, tant bien que mal, résurrecte Max Wright. La transcendance de Tommy Case et on a la Dragon Blade de Blue Step en plein milieu de l'équipe adverse. Aucun kill pour l'instant. Un gros travail des supports chez les Lynx. On se retrouve maintenant encore une fois à Blue Step en plein milieu de la mêlée. Le Graviton qui est utilisé de la part de Enox. Oh, Green qui va aller chercher un triple kill pour son équipe ici. On garde le point en vie. Green qui garde ce point, va être éliminé finalement. Et on réussit la capture complète chez les Lynx. Avec un 58 secondes restant. Donc si l'autre équipe réussit à caper, on aura un temps de plus. Mais sinon, on a 58 secondes. À voir ici aussi, on avait les Arya dans les deux côtés de chaque équipe. Malheureusement, on n'a pas vu nécessairement beaucoup de combos. Donc, tu sais, on avait quand même le Enzo, on avait le Junkrat. On a quand même fait beaucoup de damage du côté des Lynx avec la Brigitte. Mais du côté des Gaillards, on n'a pas réussi à bien communiquer, bien combo nos ults ensemble. Peut-être que ça aurait pu être la petite différence qui aurait gagné un peu plus de temps. Qui sait? Effectivement, les gravitons de Zarya qui ont été utilisés avec... Il y avait tout le temps beaucoup de monde. C'était un beau positioning, mais malheureusement, en combo, on n'avait pas assez de damage malgré le bon nombre de personnes dans le graviton pour que ça soit suffisant pour remporter le fight. Et on va voir si les Gaillards vont réussir à faire aussi bien que leurs adversaires. Donc, on doit réussir la capture complète pour garder ce match en vie pour les Gaillards. Alors qu'on doit on doit réussir une défense du côté des Lynx pour eux-mêmes garder l'espoir pour la victoire du match. Et on va être lancé ici sur l'attaque. On voit quelques changements intéressants du côté des compositions. On est beaucoup plus mobile maintenant du côté des Gaillards. Donc avec D.Va, Winston et également la Sombra qui va être présente. On va y aller avec une Divecon. Le Reiner qui a été hack ici. Et le premier kill, Captain Beard qui va tomber face à Morgan Laté. Aidé évidemment de toute son équipe. Mais... le hack sur le runner qui a probablement ouvert la porte qui a permis à l'équipe de se glisser. Et Enox qui va aller chercher Morgan Laté. Par contre, Blue Seb en plein milieu de l'équipe adverse va utiliser son Wraithworm pour se repositionner. Enox qui va aller chercher le kill sur Jellico également. Le Reaper de Blue Seb qui est encore présent. On n'a pas sonné la fin. On face à Harry Moon. On va être éliminé par The Unforgiven par contre. On aurait pu The Unforgiven vraiment qui a sauvé la vie à Harry Moon d'un seul coup. Et, on a l'avantage ici du côté des Lynx, sachant qu'il y a deux personnes qui sont encore au spawn en attaque. Et le teamfight qui continue malgré un petit peu. C'est un peu désorganisé en ce moment. On a une partie du fight qui se déroule sur la droite, une partie qui se déroule sur la gauche. Et on va perdre ici Jellico et Morgan Laté, le D-Mex sur Max Wright également. Et on va probablement essayer de stagger la baby D.Va, mais on a vraiment donné aucune chance à Max Wright ici. On et a là... quand même énormément perdu de temps quand même du côté des Gaillards parce qu'on n'a pas regroupé, on se faisait pique, on a regroupé. Tu sais, en attaque, c'est important de regrouper au bon moment pour qu'on puisse avoir le temps de bien attaquer par la suite. On a perdu un peu de temps. Mais bon, là, on regroupe comme il faut et on va pouvoir être prêt pour attaquer. Le Ice Wall qui a été quand même bien placé, mais on n'a pas nécessairement capitalisé sur le Ice Wall. Mais on a... Là, j'allais dire, c'est très épeurant de voir l'état des Ultimates du côté des Rouges, mais on a un gros EMP de la part de Arcanine qui va tout simplement canceller l'utilisation de ses habilités. Et pour l'instant, c'est le teamfight qui est définitivement en la faveur des Gaillards. Mais Kaoli qui a pas dit son dernier mot, malheureusement va être éliminé par Arcanine. Et je crois que ça va sonner la capture du point. On a quand même été capable de avec les EMP, c'est une belle exécution, de récupérer la main dans les premiers picks.
ce qui permet en fait à la dive comp de pouvoir mieux s'exécuter, d'avoir plus d'espace et d'avoir moins peur en fait de perdre rapidement un autre. Et justement, l'utilisation du EMP comme ça a vraiment tourné complètement le sens que le teamfight allait prendre. Donc on avait les 6 ultimates qui étaient disponibles du côté des Lynx. On a un Graviton, un gros Graviton avec le Dragon Strike ici, mais on a le Immortality Field. Et là on voit la force de cette habilité. On a tout simplement sauvé tous les joueurs. Jellicoe le seul à tomber à la combinaison. Mais malheureusement, ou du moins malgré tout, le teamfight est remporté par les Lynx. Et là, justement, c'est là qu'on voit la force de Baptiste. Donc, la grosse combinaison d'ultimate qui a été cancellée avec le Immortality Field en grande partie. Le Lazaria ici qui est un peu... Oui, c'est ça qui va se faire pick, qui est un peu out of position ici, qui a été essayé d'être greedy un peu, malheureusement. Qui s'est fait... Oh, The Unforgiven! Tu vas aller chercher Tommy Case et on commence, on est de retour à égalité en termes de nombre de joueurs. Et Kaoui, oh, le gros EMP de la part de Arcanine, encore une fois, très efficace, qui ouvre la porte complètement à son équipe. Et on va maintenant débloquer l'avancée du payload. On va pouvoir se diriger vers le prochain point. Captain Bird qui va quand même aller ralentir un petit peu, mais va stagger et va rendre la défense plus difficile. Encore. Lazare ici encore qui perd un peu de temps, qui est un peu tout seul de son côté, mais là qui va retourner avec son équipe. Le EMP qui est extrêmement puissant, n'a pas de réponse nécessairement à la Sombra de l'autre côté qui hold un peu l'autre, la défense pour l'utilisation de leur EMP. Le Shatter qui a été complètement bloqué de la part... le Shatter de Kaoli également qui a été bloqué. Par sa propre main. Par sa propre main, effectivement, c'est pas la première fois qu'on voit ça entre Captain Beard et Kaoli. Ça a été, je me rappelle un des matchs précédents, je crois que tous les shatters de Kaoli avaient été bloqués par Captain Beard comme ça, exactement de la même façon. On a quand même réussi à défendre malgré cette mauvaise communication, si on peut dire, entre la May et le Reynard, mais ça l'a quand même pas empêché de pouvoir défendre. Il nous reste 1 minute et 18 au compteur. Pour attaquer, il reste pas long par exemple au payload. Arcanine qui s'est retrouvé un petit peu en danger, mais était bien placé pour pouvoir se replier. Et on a The Unforgiven ici qui bien pocket par Airy Moon. On va utiliser le hack sur cette dernière. Arcanine qui vraiment disrupte le backline en ce moment. Va s'en prendre à Airy Moon. Le Graviton par contre qui est bien placé ici. On va attraper 4 joueurs du côté des Gaillards. Malheureusement, aucun follow-up du côté des Lynx. Et le Graviton de la part de Max Wright qui est utilisé également. Le Sound Barrier par contre de la part de Green qui va sauver en grande partie son unité. Et l'affrontement qui continue, les deux premières éliminations sont de part et d'autre. Max Wright maintenant très peu chargé au niveau de son énergie. Tommy Case qui va tomber par contre. On est maintenant. On va éliminer Enox. On est toujours à égalité sur ce combat. On récupère Tommy Case. Le ici, oui. Oh, le gros Shatter par contre de la part de Kaoli. On va aller chercher ici un premier kill sur Jellicoe par The Unforgiven. Les supports qui tombent ici maintenant à l'instant. Et Arcanine qui est maintenant de retour sur le Wrecking Ball. On va tenter de garder ce point en vie. Arcanine encore va finalement être éliminé. Et voilà, ça va être réussi. Belle défense de la part des Lynx. Très belle défense ici. Pour de vrai, j'étais sûre qu'il allait avoir le point. Il y avait un bon positioning au début du fight. Ils ont décidé d'y aller par le high ground. Le Graviton de l'autre équipe qui a été projeté sur le high ground. Puis qui n'a pas nécessairement eu de kill. Ensuite, on avait le high ground advantage qui est super important dans ce jeu en fait. Dès qu'on a le high ground, on sait c'est plus facile d'avoir des picks. On avait le Graviton qui a été... sur le sol, puis on a fait beaucoup de damage, malheureusement c'était pas assez pour pouvoir pousser le payload jusqu'au bout. Ben c'est vraiment, je crois, le Sound Barrier de Green qui a complètement sauvé ce dernier teamfight là. Donc tu mentionnais le Graviton qui a été très bien placé, on a attrapé plusieurs joueurs, en plus le EMP qui a été utilisé, donc on n'avait aucune possibilité de bouclier, mais justement Green qui a été présent, le Sound Barrier qui a vraiment sauvé son équipe en entier. Et par la suite, ben, on a eu le clean-up qui s'est déroulé
ensuite. Mais vraiment, là, Green qui a sauvé ce dernier teamfight pour son équipe. Oui, les EMP aussi qui étaient super bien placés, on se le rappelle. Des deux côtés, là, en fait, c'est des très belles exécutions. Souvent, qui pouvaient canceller les plans de l'autre équipe. Par exemple, si on voulait utiliser un combo, ben à ce moment-là, on pouvait plus. Donc, ça rend les fights un peu plus difficiles. Et là, on va avoir une troisième map. La première fois pour ce soir, ça démontre à quel point les deux équipes sont se disputent la victoire ardemment. C'est très serré ce soir, en effet, pour ce match-ci, en fait. Puis on va diriger vers Voskaya Industrie, une de mes maps préférées. Pas du tout. Mais c'est très rare qu'on voit cette map-là, en fait, dans les compétitives. Ça va être très intéressant, je crois, puisque c'est une map qui est quand même difficile à défendre pour le premier point. Par contre, à l'avantage de la défense pour le deuxième point. Oui, on va avoir souvent... J'ai déjà vu des matchs sur Voskaya se rendre à... 8 points. Exactement. Donc, la 3e, 4e phase d'échange entre les deux équipes. Donc, si on réussit une capture complète des deux côtés, ben on échange de côté, on recommence comme ça jusqu'à l'infini quasiment. Mais ça a été... c'est une map qui peut être très, 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 très longue, comme ça peut se dérouler très rapidement également. Allez vous chercher du sucre, des bonbons, parce que on est... pas coucher tout de suite, selon moi. Ouais, en plus, avec justement les deux équipes qui se disputent vraiment là, des matchs très serrés, ça pourrait être long sur Voskaya, dépendamment comment ça va se passer, justement. Mais... Sur ces maps-là, on peut voir souvent aussi du cheese, donc pas du vrai fromage, je parlais de bonbons il y a 2 secondes, mais non, mais du Bastion et du Top Jaune, et du Junkrat aussi. Donc, on va savoir dans pas trop long, dans quelques secondes, à voir si on y va avec une composition un peu plus standard ou on y va vraiment avec gros damage aux côtés de la défense. Et là, on va avoir donc changement du côté des équipes. On a les Lynx qui vont commencer en défense du côté des Bleus, alors que les Gaillards seront maintenant du côté des Rouges et commenceront à l'attaque. Donc, on rappelle rapidement Enox du côté des Lynx, Green, The Unforgiven, Kaoli, Harry Moon et Captain Beard. Alors que du côté des attaquants, on va avoir Arcanine, Tommy Case, Morgan Latte, Blue Seb, Jellicool et Max Wright. Donc, du côté des Rouges, évidemment. On a Rastriel aussi dans le chat qui amène un bon point. Je parlais de sucre plutôt pour cette belle map. Une poire, c'est rempli de sucre, donc je vous conseille d'aller dans votre cuisine, vous chercher une bonne poire. Et on va avoir la Phara du côté de Captain Beard avec Harry Moon, donc la pharmacie encore présente du côté des Lynx. De l'autre côté, encore une fois, là j'adore voir justement l'utilisation de la Symmetra comme ça, on va utiliser le portal. Et voilà, on est présent comme ça sur le high ground. On va déloger, mais The Unforgiven qui va aller chercher un premier kill sur Blue Sam. Max Wright également qui va tomber face à Kaoli. Oh, la charge ici sur Enox, mais pas suffisant pour aller chercher l'élimination. Morgan Latte quand même qui va aller chercher le kill sur Green. Arcanine qui va tomber face à The Unforgiven encore une fois. Et Tommy Case qui, le dernier de son équipe en vie. Morgan Latte qui utilise son Shatter. Ça sera pas suffisant malheureusement. On a réussi à faire assez de damage pour que le Reynard n'ait aucun pic à ce pin. J'allais dire, c'était vraiment un overextend de la part de Morgan Latte, mais on voit justement le changement de personnage, donc ça a un peu plus de sens. La infrasite ici pour la Widow. On va avoir pris une Widow de l'autre côté aussi pour peut-être essayer de counter la Widow, mais là on a l'avantage du côté de la défense. Avec l'infrasite, c'est plus facile dans ce temps-là pour essayer de pick la Widow. On a justement le infrasite qui est tellement dangereux. On voit tout simplement. C'est un duel de Widowmaker qui se déroule actuellement. Mais Arcanine qui malheureusement n'ira pas toucher sa cible, ou du moins jusqu'à maintenant. Enox qui va tomber face à Tommy Case. On utilise la coalescence par Jellicool ici. Le Shatter qui a été utilisé également par Kaoli.
Et là, on balance tout ce qu'on a, je crois, du côté des Lynx pour garder cette défense en vie. Et ça semble être efficace pour l'instant. Le barrage qui est utilisé par Captain Beard ici. On a, malgré le fait qu'on va perdre le fight du côté des Gaillards. En tout cas, ouais, voilà. C'est le fight qui est pas mal complété. On a quand même forcé les Lynx à utiliser beaucoup de ultimate. Je tiens à préciser par contre ici qu'on avait la Widowmaker en attaque qui a été en fait détruite par la Pharah, qui normalement devrait avoir détruit la Pharah, donc ça n'a pas été long, on n'est pas resté longtemps sur Widowmaker. Maintenant on va chercher un Doomfist pour compléter la Dark Cloud. Arcanine qui est peut-être plus confortable sur... sur ce genre de joueur-là, plutôt que la Widowmaker. On l'avait pas vu utiliser Widowmaker depuis le début. Donc peut-être qu'il était pas assez réchauffé. Morgan Latte ici qui va être pick-off par The Unforgiven. Par contre, Arcanine avec son Doomfist en plein dans la mêlée. Jellicool qui utilise une nouvelle fois la coalescence qui est très très rapide. Le Diva Bomb qui a été utilisé également. On va aller chercher Green. On va avoir le Resurrect ici sur Green par contre. Ouais, The Unforgiven qui va finalement être récupéré par Green, qui va être éliminé une nouvelle fois par Blue Seb. Captain Beard avec le barrage va aller chercher Arcanine tout de même. Mais le teamfight se déroule vraiment un peu de tout bord et tout côté, mais va être remporté par les Lynx. Le Winston ici qui va probablement se faire stagger, qui décide d'aller sur le point au lieu d'aller dans le vide pour récupérer plus rapidement son équipe. Un long stagger ici qui va... coûter quand même beaucoup de temps à l'équipe, sachant qu'on a un 30 secondes restant au compte à rebours. Ouais, on a un seul push et ça va probablement être un push qui va être un petit peu précipité chez les Gaillards, justement, à cause du stagger de Morgan Latte et celui de Blue Seb. Blue Seb qui retourne, qui est maintenant sur la Widowmaker. Donc on change un petit peu. Le rally qui est utilisé par Tommy Case. On lance, on sonne la charge pour les Gaillards. Morgan Latte qui est en plein sur le point avec son Winston. On utilise la Primal Rage ici. Blue Seb sur Airy Moon. C'est bien commencé pour les Gaillards. Le Shatter qui est utilisé par Kaoli. Kaoli très bon vie, va être éliminé par Morgan Latte. The Unforgiven par contre pour le Revenge Kill ici sur son Reaper. Va être éliminé par Jellicoe. Et est-ce que c'est... c'est un teamfight qui est réussi par les Gaillards, finalement. On a eu une belle ouverture ici en début de fight avec la Widow. Peut-être qu'on aurait dû y aller avec le Blue Seb sur la Widow un peu plus tôt parce qu'il fixe directement la Mercy. La Mercy qui est le gros heal de la défense. Donc, en prenant ça, c'est presque gagné dans nos poches. Puis, ils ont réussi à capter le premier. Et l'offensive qui va se diriger rapidement vers le second point. On est bien organisé par contre du côté des Lynx au niveau de la défense. Et Captain Beard ici, très agressif avec sa position. On a un Rocket Barrage qui va être bien placé ici. Double kill pour ce dernier. Airy Moon qui va tomber face à Arcanine. Par contre, on se retrouve en situation de 5 contre 4 pour l'instant. Mais voilà, Enox qui va aller chercher le kill sur Arcanine. Et donc, on brise l'attaque une nouvelle fois du côté des Lynx. Oh, Blue Seb qui va tomber. Et là, on stagger les deaths un petit peu du côté des Gaillards. Ça va ralentir définitivement notre attaque pour la prochaine... Reculer tranquillement. On va attendre la Pharah. Puis, on va pousser sans la Pharah actuellement. Ouais, donc on est parti du côté des Gaillards encore une fois, mais on est repoussé rapidement, notamment donc justement dû au manque d'un joueur. On a une Diva Bomb, je vois Max Wright chercher l'ouverture, chercher l'angle pour l'utiliser. Pour l'instant, vraiment on conserve le tout. The Unforgiven avec le Death Blossom, on ira chercher aucune élimination, mais Morgan Latte qui va tomber face à Enox, grandement aidé justement. Et Arcanine qui va tomber également. Et là, ça serait le moment normalement de se replier, attendre les respawns. Mais on va aller chercher le kill sur Captain Beard ici. On pourrait avoir une ouverture. Max Wright qui va être D-Mech par contre. Et là, vraiment, on a. C'est sûr qu'on a l'avantage du côté des Gaillards que la Pharah a une Mercy pour la pocket. De l'autre côté, on n'en a pas. Donc, on a pris une Pharah, j'imagine, pour essayer de déloger un peu le Reaper. Et là, on a switch le Reaper pour une Widowmaker. Et voilà, on n'a pas de Mercy. Donc, la Pharah, elle ne tiendra pas en vie trop longtemps. Effectivement, The Unforgiven qui va aller chercher un pick qui est quand même important. Encore une fois, on commencera pas le teamfight en ayant les effectifs complets du côté
des gaillards. Mais depuis tantôt, on fait tout simplement s'échanger des politesses depuis le début. Et on n'a pas vraiment d'ouverture. On utilise le Diva Bomb, voilà, de la part de Max Wright. Malheureusement, on n'ira rien chercher de son côté. Et Blue Seb qui est maintenant sur le McCree. Encore une fois, on cherchait peut-être un counter pour le Reaper qui n'est plus présent. Mais le Graviton, en plus du barrage de Captain Beard, voilà, on va compléter la défense vraiment de façon très efficace. Et là, Blue Seb qui se retrouve face à Kaoli va être éliminé. J'ai l'impression peut-être que les gaillards ont de la difficulté à se replier et à concéder des teamfights comme ça, desquels on sait que que le teamfight est complété et terminé déjà. Ouais, en effet. C'est sûr que, tu sais, comme cette fois-ci encore, on a un pic. Si on décide de continuer à pusher, il nous restera plus beaucoup de temps. Donc, un fight. Il nous reste un fight en ce moment. On vient de perdre quelqu'un d'autre encore. Faut vraiment se replier pour les 30 secondes qui va nous rester parce que sinon, on sera pas capable. Ouais, les deux supports qui sont tombés. Voilà, Max Wright qui va être pick-off par The Unforgiven. Et vraiment, là, du côté des gaillards, c'est un peu la débandade en ce moment. The Unforgiven qui va aller chercher Arcanine également. Et là, c'est vraiment... En ce moment, ça doit être le temps dans le team chat de l'équipe qui se disent « Ok, guys, là, il faut qu'on regroupe parce que... parce qu'il nous reste 20 secondes. » On a vraiment un gros problème avec The Unforgiven en ce moment qui empêche complètement l'avancée des gaillards. Finalement, ce dernier qui va se replier. On a un Meteor Strike de la part de Arcanine, sans aucun doute, pour aller se repositionner en plein sur The Unforgiven. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour aller chercher l'élimination. Le punch qui va manquer la cible. Ici. La Mercy qui tombe, par contre, pourrait être à l'avantage ici, oui. Le Shatter qui a été utilisé, mais le Shatter qui, un peu tard pour Kaoli, va être éliminé. Et là, le fight continue. Bon, ici, Green qui va aller chercher un kill important sur Jericho, un support qui tombe. On a Graviton qui s'en vient tranquillement aussi, à 9% restant. Donc, est-ce qu'on va avoir le temps de le charger assez rapidement? Ça pourrait être... extrêmement un revirement de situation. Et le Graviton justement qui va être utilisé ici par Enox, quand même bien placé. Blue Seb très très bas en vie, va être éliminé par Enox. Un Arcanine qui va se suicider, possiblement une erreur de punch qui s'est retrouvée à l'extérieur de la map. Le Captain Beard qui va éliminer Max Wright ici, Tommy Case également qui va tomber à la Pharah. Le Morgan Latte qui tente tant bien que mal de garder l'overtime en cours, va être éliminé par The Unforgiven. Et voilà, l'overtime découle et on ne réussit pas à capturer ce deuxième point. Comme j'avais mentionné, on a le Graviton qui a vraiment ouvert, qui a fait le revirement de situation. Oui, on a juste eu le Hammond dans le Graviton, mais ça a été assez pour déloger l'équipe du point. Et la Pharah a réussi à, ensuite de ça d'avoir deux pics avec son barrage. Donc, très beau combo ensemble, les deux. Diffusation des ults. Lazaria qui n'a pas été contestée, on l'a vu, elle a passé de 70% de ult charge à 100% en 10 secondes sans se faire tuer. Donc, ça leur a malheureusement coûté le point. Et donc, on a quand même un gros contrat à remplir du côté de la défense maintenant, du côté des gaillards. Donc, on doit full hold, ou du moins, on doit ralentir énormément l'avancée sur le premier point. Et ça va se jouer sur ce deuxième point, justement. Le deuxième point qui... j'ai pas remarqué au niveau des tics de capture, mais je pense pas qu'on a réussi à en accumuler du côté de l'attaque. Donc, on doit réussir un full hold au niveau du deuxième point. Et encore mieux si on réussit à défendre le premier. Comme on sait, le premier point est beaucoup plus facile à attaquer. Le deuxième point est beaucoup plus facile à défendre. Parce que, on sait, le spawn est beaucoup plus proche. Mais... reste que si on réussit à pusher le point en 30 secondes, il nous reste énormément de temps pour attaquer le deuxième. Donc, va falloir vraiment défendre le plus longtemps possible le premier point. Et là, on utilise le téléport de Symmetra pour permettre à l'équipe en entière de se placer sur le high ground central ici, notamment avec l'utilisation d'un bastion. On a également Tommy Case qui va perdre énormément de vie ici. Et on va perdre Blue Seb immédiatement, qui va être récupéré par Jericho tout de même. Mais en échange, on est allé chercher le kill sur Green. On garde Captain Beard qui est encore en vie. Harry Moon, quand même très bas en vie, va devoir utiliser le Guardian Angel pour se sauver vers son Reinhardt. Et on tente
On tente de pousser, mais on est très bien. On est très mobile, en fait, du côté des gaillards avec l'utilisation des téléports comme ça. Et la charge, par contre, de Kaoli sur Blue Seb, on vient peut-être de débloquer quelque chose. Et, Reynard qui est pris en haut en ce moment. Et finalement, qui réussit à retourner sur le point. Et Mortality Field qui est utilisé va être détruit. Et c'est une capture très rapide du premier point ici pour lui. Exactement, c'est ce que je parlais. Donc, on va avoir énormément de temps pour attaquer le deuxième point. Et on a deux ults, trois ults, bientôt quatre même, qui s'en viennent pour l'attaque. Côté de la défense, on a utilisé déjà deux ults, donc on n'aura pas beaucoup de réponses pour défendre. Donc, il nous reste 6 minutes. Ça va être très difficile à défendre. Oui, surtout qu'on vient de récupérer Captain Beard avec la résurrection. Et ici, Blue Seb qui est vraiment en danger avec sa Widowmaker, forcé d'utiliser son hookshot pour se replier un petit peu. The Unforgiven qui a une position tellement déplaisante pour Morgan Laté ici. Et on va aller chercher Max Wright et Blue Seb qui vont tomber d'un seul coup. Le Graviton qui est placé, le Dragon Strike au travers. On utilise le Shatter tout de même, mais ce sera tout, je crois. Ou du moins pour l'instant, Arcanine qui garde la capture entre les mains. De son on a juste Jericho, besoin d'un tick, donc la May qui s'en vient et le Amun. On va y aller avec la Stall Camp ici, le Lucio, le Winston. C'est parti, on veut gagner du temps. On est en full trickle du côté des Gaillards en ce moment. On va perdre Max Wright ici aux mains de Green. Le Shatter sur Blue Save également. Tommy Case qui va tomber. Et voilà, Morgan Laté qui va être éliminé également. Arcanine qui était présent va être éliminé de surcroît. Et je crois que ce sera tout. Voilà, c'est tout. Pour les Gaillards, les Lynx qui remportent ce match. Cette soirée. Oui, bon, ben, en fait, on l'avait vu, on s'en doutait. On a eu un 6 minutes pour attaquer le deuxième point. On avait le ult avantage aussi. C'était pas suffisant, malheureusement, pour défendre. On a un play of the game ici pour Captain Beard. Un très beau play, soit dit en passant, avec son barrage, mais également la poursuite précédente sur la Pharah qui a réussi à faire énormément de damage aussi parce que, on le sait, on avait la Mercy pour la pocket. Ces deux-là, ils s'aiment beaucoup, donc on a été très fort sur ce combo-là. Puis l'autre équipe a pas été nécessairement capable de répondre. Et donc, victoire des Lynx. Face au Gaillard, on a eu un très bel affrontement entre les deux équipes. Un match qui s'est étiré jusqu'aux petites heures de la nuit. Il n'est pas si tard que ça. Mais on le rappelle, victoire des Lynx, très bien joué pour leur part. C'est donc tout pour notre soirée d'Overwatch. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on rentre dans les demi-finales, quarts de finale, etc. Donc on est dans les playoffs à partir de la semaine prochaine, et on va avoir les finales en direct du Cégep Montmorency le 27 et le 28 avril. Avant de quitter, évidemment, je vous rappelle que demain à 19h, on reprend les hostilités avec la LCE, donc ce ne sera pas du Overwatch, mais ça vaut quand même la peine de venir l'observer. Et justement, une dernière fois avant de quitter, je voudrais souhaiter bon anniversaire à Enox qui apparemment vient d'avoir 18 ans. Donc, félicitations, mon cher. Et également, je vais te laisser un petit instant, Opie, pour dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les internets. Sur les internets. C'est sûr que vous pouvez me follow sur Twitch, au twitch.tv/OPII-OW comme Overwatch. Puis le même nom sur Instagram, donc je suis en live 2 ou 3 fois par semaine, donc vous pouvez me rejoindre là. Et voilà, je pense que c'est pas mal à ton tour. C'est pas mal ça, mais on va se revoir la semaine prochaine de toute façon, puisque tu es la remplaçante officielle de Soussou pour le reste de la saison, donc la semaine prochaine et également durant les finales en live. Nous serons là les deux ensemble pour commenter le tout. Sur ce, je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée, mesdames et messieurs, et on se revoit la semaine prochaine pour les playoffs de la LCE. C'est là que ça se joue pour de vrai. Donc, on se revoit la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée.
fill up my lungs. And if my mind was